three. 만세! 슬프는 말이야 이런 적이 없었어 남자들이 알았어 제가 지우와 냅대는 말이야 손 잡는 것도 느려 너무 답답해 우린 키스를 때 시작해 틱톡 시간이 얼마 없어 I'm very picky, very picky 갖고 싶잖아 너 Super rookie, 용기 좀 내봐 너 나를 봐줘
Voilà. Donc, donc, et bah bonjour, bienvenue du coup dans ce live au final de milieu slash fin d'après-midi parce que. Parce que. Alors, il se passe plein de choses en fait. Plein de choses, non. En vrai, j'ai un peu les boules, oui et non. En vrai, je suis sur une semaine plutôt tranquille en termes de travail. Puisque je ne vais travailler que 2 jours et demi, vraiment, que mercredi, que demain, jeudi. Et encore jeudi, ça va être tranquille. Et un petit peu aussi dimanche après-midi. Et pareil, dimanche, en vrai, il y a une grosse partie de l'après-midi où je serai seul au travail. Donc ça va être assez... ça me permettra de bosser l'écrit éventuellement, voilà, parce que j'aurai rien d'autre à faire. Et en fait, à l'origine, j'avais mon mardi soir qui était plutôt libre. C'était le seul soir que j'avais libre, mais du coup, je ne travaillais pas aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, super. Qu'est-ce qu'on fait, du coup on en profite pour programmer un live mardi. Donc mardi, dans la soirée. Et un autre stream jeudi. Jeudi, pareil, c'était vers 19h30, je crois. Sauf que, premier truc qui s'est passé, c'est que déjà, en fait, moi, j'ai de la famille qui va venir à Paris. Et... attendez, je vérifie que les sous-titres marchent aussi, mais... J'ai de la famille qui va venir à Paris. Et du coup, ils arrivent jeudi. Et moi, je pensais les voir à partir de vendredi, vu que je suis assez tard et tout. En fait, ils m'ont dit, non, attends, on a plein de trucs à te donner. Bah, avant qu'on se fasse le gros week-end où, justement, je travaille pas, on va avoir des expos, machin et tout. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux passer le jeudi soir? On va boire un coup, tu récupères tes trucs et tu rentres chez toi. Voilà. Coucou, préparez l'écrit. Ah bah, justement, j'y viens juste après. Comment ça va, Generica? La forme? Comment était ton début de semaine, du coup? Ta semaine, tout ça? À moins que j'ai mal entendu. Non, j'ai parlé. Enfin, c'était. Oui, préparer, continuer l'écrit, exactement. Mais je suis sur le planning de la semaine déjà. Et en gros, voilà. Donc, bref, mon jeudi s'est annulé. Donc, j'ai pas prévu de stream après. Fatigante. Ah merde. Boulot ou autre. Ou chaleur. Et ouais, en gros, je n'ai pas de temps. Pour moi, en fait, je vais passer du temps en famille et tout. Et donc, clairement, j'ai pas envie le vendredi de rentrer à 21h, 22h. Pareil le samedi. De streamer. Donc je m'étais dit je garde le mardi, nickel, mardi soir, tu vois, stream tranquille à partir de 18h30. Et en fait j'ai un ami qui parle en vacances quelques jours et tout, qui d'habitude fait garder son chat par sa mère, et donc là sa mère ne peut pas, ce qui arrive, hein, c'est la vie, qui du coup m'a contacté hier soir pour me dire, au fait, du coup, est-ce que tu peux venir t'occuper du chat, parce qu'il habite à côté de mon boulot et en vrai pas loin de chez moi. Donc moi évidemment je connais le chat, et puis je dis oui, enfin il a déjà gardé, il s'est déjà occupé de mes chats aussi, et puis moi ça me dérange pas du tout en fait de faire ça. Je dis pas de souci, en plus jeudi je bosse, je vais m'occuper du chat, je vais voir ma famille, et puis le vendredi, soit je passerai très très tard, voilà, le vendredi soir, ou le vendredi midi, enfin je vais voir, je vais m'arranger, mais voilà. Donc du coup, j'avais plus aucun moment où je pouvais faire de stream, puisque ma famille irait jusqu'à mardi prochain. Et donc globalement j'avais pas envie de décaler le stream et de pas streamer du tout de la semaine, donc. Voilà, j'ai mis ce stream de 17 à plus ou moins 19h à peu près, voilà. Alors oui, et du coup, préparer l'écrit. En fait, ce qu'il y a, c'est que... Tu sais, il y a mon écrit, je crois que si tu te rappelles, je fais une VAE d'éducateur spécialisé. Donc je dis que c'est un mémoire, mais en vrai, c'est mon livret 2 à écrire, exactement. C'est la taille d'un mémoire, mais ça fonctionne pas comme un mémoire. Et en fait, le truc, c'est que ça fait plusieurs jours que je me dis, il faut que je m'y mette. Et en fait, moi, j'aime pas faire ça. Comme d'hab, en fait, il faut que je... En fait, je marche vraiment dans l'urgence, ce qui est assez nul. Parce que du coup, quand il me reste 1 ou 2 semaines avant de devoir rendre une partie de l'écrit, là, je devais en rendre une partie, d'ailleurs, il faut que je l'envoie, mais j'ai pas pu trop l'avancer pour d'autres raisons, parce qu'il me manquait des infos et ça a pas assez avancé au boulot pour compléter. Mais en gros, si tu veux, voilà, chez moi, normalement, j'essaye de me forcer à me dire, bon, allez, je fais 15 minutes là. En fait, je fais 15 minutes un petit peu, une fois ou tous les jours ou tous les 2 jours. Ce qui fait qu'au final, sur la semaine, ça fait une heure ou deux de rédaction, ça fait 2-3 pages par semaine, tu vois. Mais... au final, ça va, tu remplis tes 50-60 pages, tu vois. Non, c'est pas le refus. Non, ça va. Et d'ailleurs, j'ai appris une bonne nouvelle, tiens, si jamais ça t'intéresse, je pourrais te le dire après. Mais en gros, du coup, ce qu'il y a, c'est que hier, j'ai réussi à rebosser un peu. En fait, j'ai une collègue qui a validé son écrit et qui m'a dit, de toute façon, il n'y a pas de souci. Elle est dans la même structure, en fait. On vit le même truc. Et elle me dit, il y a clairement des trucs. Elle m'a dit, franchement, j'ai fait ça. Récupère, tu vois. Genre, l'organigramme, elle s'est fait chier à faire un bel organigramme. Elle m'a dit, honnêtement.
tu vas faire la même chose avec des couleurs différentes, quoi. Donc elle me dit, bah vas-y, tu vois. Les financeurs, pareil, tu vois, genre, on a toute la liste des financeurs, elle me dit, je vais pas te faire chier à rechercher un par un, parce que c'était très très long, en vrai, comme travail. Et je la remercie, elle m'a dit, bah non, enfin, de toute façon, tu vas trouver les mêmes résultats, épargne-toi des heures de boulot, fais un copier-coller et mets nos financeurs. Et tu retouches 2-3 trucs, mais voilà. Et toute l'introduction, en fait, sur la présentation de structure, pareil, en fait, j'ai copié ce qu'elle a dit, alors je l'aurais écrit quand même, c'est-à-dire que j'ai copié la structure, l'ordre, on va dire, de présentation des infos, et après je rajoute, je corrige, parce qu'il y a aussi des moments où il manque des mots, je modifie, je le présente quand même autrement pour pas juste me contenter de faire un copier-coller, et aussi lire ce que j'écris et intégrer du coup ce que j'écris, parce que sinon à ce moment-là je copie-colle son écrit et voilà. Donc voilà, et en fait du coup comme j'ai du mal à me motiver, bah dimanche, en fait, mes jeunes partent en... ce qu'on appelle en transfert, quand c'était comme des vacances pour eux, mais du coup il y a les éducs qui sont là, de jeudi après-midi jusqu'à dimanche soir. Et donc du coup moi jeudi après-midi j'aurai un moment un peu tranquille, mais là je verrai ce que je fais. Et en fait le dimanche, ils arrivent normalement vers 16-17h au plus tôt, et moi je bosse de midi à 21h30. Donc globalement en fait de midi à 16h, minimum, hein. C'est s'ils ont des soucis, la dernière fois ils ont eu des soucis, ils sont arrivés beaucoup plus tard. En gros, j'ai 4 heures. Non. J'ai 2 heures, pardon. J'ai 2-3 heures de rien. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est juste que je vais me renvoyer mon écrit par mail. Qui me permet aussi de faire des sauvegardes un peu partout, parce que j'ai failli le perdre il n'y a pas longtemps. Et du coup, en gros, voilà, je me le renvoie par mail, j'arrive au boulot, je bosse. Ce qui est bien, c'est que c'est directement aux ressources dont j'ai besoin au taf. Donc genre, si je me dis, tiens, attends, il y a telle info, je veux la vérifier. Je descends, je prends un classeur, j'ouvre le dossier d'un jeune et j'ai mon info. Ce qui est pratique, mine de rien. Voilà. Voilà pour le truc. Donc ouais, il faut que je me motive et je me dis en vrai en 2 heures ça va, je peux arriver à bosser en vrai une demi-heure, une heure sur une partie que j'aime pas du tout, parce que c'est une partie que je maîtrise très mal, qui est la... Comment ça s'appelle ? Veille professionnelle et transmission des connaissances. Donc globalement, en fait, c'est comment tu te maintiens à jour sur le cadre légal qui structure ton métier et tes actions. T'as aussi tout un petit côté un peu éthique, moral dans l'idée. Et aussi comment tu transmets des infos. Et là, du coup, l'avantage, c'est que moi, je fais pas fonction d'éduc. Donc je m'occupe pas de l'accueil des stagiaires à proprement parler. Je fais pas de livret d'accueil. J'accompagne pas précisément les nouveaux professionnels. Parce que c'est ma collègue qui est éduc, du coup, qui a validé d'ailleurs donc, le diplôme qu'il fait. Mais... j'ai un poste de référent informatique et on m'a dit que ça passait, c'est-à-dire qu'en gros on fait une transition vers l'informatique dans l'asso et je fais partie des personnes en fait référentes là-dessus, c'est-à-dire que si t'as une question pour que ça marche pas, il faut faire remonter des problèmes, il faut former les gens, notamment former les gens, et du coup c'est à moi de le faire, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai eu des moments voilà, où j'ai fait de la formation en 1 pour 1, création de support pour utiliser du coup les logiciels quand je suis pas là, des trucs comme ça, donc ça peut glisser, c'est-à-dire que c'est pas de l'éducatif, mais on me demande de transmettre des connaissances, pas de transmettre des connaissances éducatives spécifiquement. Donc, on est sur un truc assez, assez pratique, et puis après, il y a tous les temps informels avec les collègues, les références d'activité et tout, où j'arrive à goupiller, mais bref, c'est une partie que j'aime pas, parce que j'ai du mal à dire comment je fais ma veille, vu que je la fais de manière très désorganisée entre YouTube, TikTok, les textes de loi, les écrits et tout. Voilà. Et si jamais, d'ailleurs, j'y pense... Alors, si ça t'intéresse... Bon, je l'ai appris il y a pas longtemps, mais je sais plus si toi, tu étais intéressé par la VAE. Il me semble de mémoire que pour l'instant, tu es au même poste que moi. Tu es AES. Pas AES, AMP. En fait, j'avais effectivement été refusé. J'avais payé, du coup, pour l'oral il y a... C'était il y a un an et demi, presque. Et du coup, j'avais échoué. Et je voulais repayer mon inscription, parce que pour moi, c'est logique. En fait, tu rates un examen, donc tu repayes. Et je me fais chier, je contacte le DAVA. Le DAVA qui est super dur à contacter, j'envoie 20 000 mails et tout. Et je finis par trouver le truc avec pour payer avec mon CPF. Parce que c'est 250€, donc c'est... Voilà. Donc je me dis, nickel, je fais la demande. Et là, je reçois un appel le lendemain du DAVA qui me dit, attendez, je comprends pas pourquoi vous payez. Et là, je me dis, bon, alors, est-ce qu'il y a une merde avec le fait que, voilà, il y a des soucis avec mon école et le règlement de l'accompagnement, ou quoi ? Je dis, je comprends pas, du coup, quel est le problème ? Elle me dit, vous avez déjà payé. Je fais, oui, mais j'ai payé, mais j'ai raté. Et en fait, elle m'explique, et ce que je n'avais pas lu, hein, en fait, c'est clairement écrit, que, en fait, quand tu payes, c'est valable jusqu'à la fin de la validité de ta recevabilité à la VAE. Donc, en gros, à partir du moment où on accepte que tu fasses un parcours VAE, la date où t'es accepté, t'as 3 ans pour passer ta VAE. Voilà. Donc en gros, en fait, une fois que t'as payé l'inscription,
Et ben que tu rates ou pas, tu peux rater 5-6 fois, tu payeras qu'une seule fois 250 euros. Voilà. Ce qui est plutôt cool, parce que je suppose que du coup ça marche pour bah, tous les trucs, vu que c'est le DAVA qui gère, et le DAVA c'est le dispositif académique de validation des acquis, donc il s'occupe de, bah, de toutes les VAE, je suppose, en tout cas d'un grand nombre de VAE, si ce n'est toutes. Et donc c'est plutôt cool, parce que ça fait beaucoup à sortir d'un coup, mais bah, au final, voilà, ce qui me rassure, c'est de me dire si je le rate, j'aurai pas re 250 euros à sortir et tout, bon, même si je croise les doigts vraiment pour pas le rater. Ça ne fait plus partie de mon projet de vie, VAE et d'XP, d'accord, je suis inscrite en licence psychiatrie, du coup. Enfin, je suppose aussi psycho, parce que sinon c'est médecine, si tu fais psychiatrie, de mémoire. Bah cool, écoute, c'est cool que tu t'y sois mise, en tout cas j'espère que ça te plaît, et que bah, ça va te permettre de faire ce que tu veux faire plus tard. C'est quoi le projet à terme, du coup? C'est psychologue, ou juste rester dans le social et avoir des compétences en psycho et tout, ou... pour être neuropsychologue. Ah oui, d'accord. Donc c'est licence et master, du coup, alors, il me semble. Je mélange. En tout cas, bah écoute, très cool et super content pour toi. Très content que t'aies trouvé ça. Et puis bah bon courage, du coup, hein, pour toutes ces études. Moi, c'est pour ça que je fais la VAE, parce que vraiment, les études, c'est un nom. Si je valide le diplôme d'éduc, j'aurai un niveau licence et ça me suffit amplement. Mais ouais, non, je peux comprendre. Franchement, je suis content pour toi. Je suis très content que t'aies trouvé un truc, et j'espère que c'est... Du coup, t'as commencé donc en septembre, je suppose. C'est vrai que t'es passé il y a pas longtemps sur la chaîne, et puis je t'avais pas vu pendant longtemps, donc je suppose que c'est... que ça date de septembre. Voilà. Donc bref, voilà. Et bref, voilà pour tout ça. Voilà. Et si, ce matin, anecdote quand même très rigolote, story time un peu nul, mais quand même. Puis après, on passe aux... Je me suis inscrite. Ah, je n'ai pas commencé, d'accord, c'est pour l'année pro. D'accord, et bah, bon courage. Bon courage, bonne préparation, du coup, profite de... Bon, t'as le boulot, du coup, mais profite de ce qui te reste avant de voilà, de justement commencer à chauffer sur les bancs de l'école. Et puis, bah, écoute, j'espère que, voilà, j'aurai des nouvelles de temps en temps, parce que ça fait plaisir de, voilà, de voir des gens qui se relance dans les études. Franchement, c'est cool. Je sais plus si on a le même âge ou quoi, je crois que t'es plus jeune, mais même, enfin, dans tous les cas, c'est... Moi, je trouve ça cool. Et je trouve ça bien que t'aies pu avoir le temps aussi de tester des trucs, de bosser et tout, quoi qu'il arrive, voilà. Surtout avec Parcoursup. Oui, bah alors, j'ai jamais utilisé Parcoursup, ma petite sœur, oui. J'ai pas besoin de tester, ouais, pour comprendre que c'est de la merde. ouais, c'est une purge, oui. Enfin, plus, oui, c'est une purge. C'est une purge. Bon, sinon, quand même, truc rigolo, absolument hors sujet, mais le story time du jour. Story time, qui vous prouve qu'il ne faut rien lâcher dans la vie, d'ailleurs. Non, c'est un peu faux, mais... Attends, en fait, tu le vois un peu derrière, là, par là. Ce que j'ai là, en fait, c'est un lit. Attends, on le voit, voilà. C'est un lit qu'on appelle un lit gigogne. C'est-à-dire que de base, tu peux dormir tout seul dedans, mais tu peux tirer un tiroir dessous, enfin, une deuxième partie de sommier, et donc ça te fait un lit double. C'est un lit qui est très très cool, que j'ai acheté du coup en début d'année chez Ikea, qui est un M-Ness, voilà, et qui est en entrée de gamme dans ces modèles-là, enfin milieu de gamme, voilà, qui est dans les 400-450, qui est excellent, parce qu'il y a des tiroirs pour ranger genre mes chaussures dessous, pour ranger les couettes, etc., donc c'est un peu moins le bordel, et puis bah, c'est assez confortable en vrai comme lit, qu'on soit tout seul ou à deux, il y a beaucoup de place, on peut presque dormir à trois. Et donc je l'ai acheté en janvier, et en fait ce matin, vraiment je me lève, et en fait moi quand je me lève, c'est pas si tu fais pareil, mais vraiment, je me mets à plat ventre, et je pousse pour me mettre bah, à quatre pattes, et je me lève comme ça, parce que j'ai du mal à me lever, j'aime pas me lever. Et là mon genou appuie sur une latte au milieu, et là j'entends clac, et la latte a pété. Pas grave pété, voilà, je peux encore dormir dessus, y a pas de souci, mais j'ai une latte qui a pété. Ce qui m'inquiète, parce que ça veut dire que du coup, bah, s'il y en a une qui pète, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui vont péter et tout, machin. Et le lit, je l'ai acheté vraiment en janvier. Il date de... Je l'ai reçu au début janvier de mémoire, de 5-6 janvier. Donc il est quand même récent. Donc ça me fait chier, parce que je me dis, merde, ça doit être garanti, tu vois. Enfin, je veux dire, je l'ai pas défoncé, tu vois, je me suis mis à genoux, il y a une latte qui a pété. Alors que des fois même, tu vois, je suis... Parce que ça se voit pas, mais du coup, par là, en fait, j'ai une penderie. Et parfois, bah, quand le lit est déplié ou quoi, quand j'ai besoin d'accéder au haut de la penderie, bah, je dois me mettre debout sur le lit. Parce que vraiment, il prend la place pile poil. Il est... Enfin, il pourrait être plus petit. Mais il prend la place pile poil dans l'appart. Donc bref. Et donc je me dis, j'ai pas envie que ça répète, parce que bah c'est chiant en fait. Donc je contacte Ikea. Je leur dis bonjour, machin, est-ce que c'est couvert par la garantie? Et la meuf me dit non. Je me dis putain, ça fait chier quoi, pour une latte.
Tu vois, même dit, si vous voulez, vous pouvez acheter la latte à l'unité et tout. Sur le principe, je me dis, putain, est-ce que je vais payer 10 balles, frais de port compris, pour commander une latte? Tu vois. Parce que si c'est pour que ça repète, machin et tout. Et donc, je regarde la garantie, je dis, mais attendez, pour moi, c'est plus un défaut de conformité. Enfin, je sais pas, je dis pas que, tu vois, j'ai pas sauté sur lui et tout. Et j'avoue que j'ai un peu menti quand même, puisque j'ai dit, globalement, je suis allé me coucher, je me suis réveillé, le truc était pété. Pas totalement vrai, mais bon. Et elle me dit, bah écoutez, pas de soucis, vous savez quoi, je vais voir avec un responsable, machin. Donc elle m'explique, elle me dit, bah normalement non. Et en soi, effectivement, dans la garantie, c'est écrit que si tu as un usage contraire à l'utilisation qui est donnée par Ikea, bon, je sais pas ce que c'est, mais je pense que ça peut rentrer là-dedans. Évidemment, c'est pas couvert. Enfin, tu sais, c'est comme ton téléphone, si tu le jettes très fort au sol et que tu dis, après, la vitre s'est cassée, défaut de conformité, non, c'est pas un défaut de conformité, c'est toi qui as été bête, quoi. Donc là, c'est vrai que je... Bon. Mais en même temps, je me suis déjà mis plein de fois à quatre pattes sur des lits sans que ça pète, donc... Et donc elle me dit, bah non, on peut vous renvoyer une latte. Bon, je me dis, bah super, parce que vraiment, pour une latte, tu vois, en plus. Enfin, une latte, j'ai jamais eu de soucis avec Ikea, le truc est vraiment neuf, tu vois. Il aurait pareil, il aurait 5-6 ans, je m'en fous. 5 ans, je dis, ouais, vas-y, je la rachète. Bref. Et en plus, c'est vraiment un modèle spécifique qu'il faut, parce qu'il y a des trous exprès pour des vis et tout. Tu peux pas juste acheter une latte équivalente comme ça dans le commerce. Donc elle me dit ça, je dis ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah faut que vous appeliez le service client à tel numéro, vous faites tel choix. Donc j'appelle le service client. Tout ça, ça m'a pris déjà une demi-heure. Compte une demi-heure d'échange et tout, où bah, la meuf me disait bah attendez parce que je vérifie, donc voilà, c'était un peu long. J'appelle, je tombe sur une autre personne, donc pareil, je reconfirme mes infos, mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de commande, et la meuf me dit ah oui, bah effectivement, je vois bien que vous avez le droit du coup exceptionnellement à une latte offerte, bah je vais regarder si on en a en stock. Ok. Et là, vraiment, je suis deg parce qu'elle revient genre 10 minutes après pour me dire écoutez, on en a plus en stock, donc ça devrait revenir d'ici une dizaine de jours, donc bah rappelez-nous dans 10 jours, tu vois. Et moi j'étais là genre bon bah de toute façon vous en avez pas, tu vois, ça sert à rien de râler, hein. Puis je vais pas m'énerver contre une téléconseillère qui est payée au lance-pierre pour avoir fait ce métier, j'ai encore des très mauvais souvenirs de tout ça, donc je lui dis, bah écoutez, pas de soucis, je vous rappelle d'ici 10 jours, même numéro, machin, donc je me suis mis un petit rappel dans mon portable et tout. Et t'es là genre, mais du coup, il vous faut autre chose, dis, bah, et j'ai fait, mais bah, en fait, moi j'espère juste qu'il n'y a pas d'autres lattes qui vont péter, tu vois, je vais faire gaffe, mais, bah ouais, en fait. Là, ça va, quand il est en mode vraiment une place, toutes les lattes, elles sont vraiment collées, donc pour que ça pète, non, faut vraiment que mes lattes, elles aient moisi, quoi. Mais du coup, ouais, je lui dis, bah non, j'espère juste que j'ai pas d'autres lattes qui pètent, parce que si je vous rappelle dans 10 jours et qu'en fait j'en ai une deuxième qui a cassé, bah. Tu vois, c'est con. Bon, voilà. Donc, on a bien rigolé, mais du coup, à presque une heure et demie, pour une latte. Et je pense qu'au final, j'aurais mieux fait juste de la commander. Je l'aurais reçue dans 10 jours, et puis voilà. Enfin, bref, c'était le story time un peu nul. On n'était pas à donner de l'argent, du coup, sur ma chaîne pour me permettre de me racheter des lattes, parce qu'évidemment, avec l'argent de Twitch. Non, en plus, avec le prochain virement de Twitch, j'ai un petit projet sympa, normalement. Donc. Donc voilà. Voilà. Et là d'ailleurs je vais voir parce que j'ai envie de commencer à préparer les éventuels invités qui vont nécessiter une interprète. J'espère. Non, en vrai pas du tout, parce qu'en fait, faut te dire, si tu veux, t'as les lattes, elles sont comme ça. Enfin en gros, imagine que tu regardes le lit dessus, t'as des lattes comme ça, donc quand c'est plié, c'est comme ça. Et quand tu tires, c'est comme ça. Donc c'est comme un lit normal en fait. C'est juste que t'as une latte sur deux, mais elles sont assez proches, vraiment. Donc c'est pas gênant, parce que ça fait pile poil la largeur d'une latte, hein, à quelques millimètres près, donc ça s'encastre assez bien et tout, faut bien pousser tout droit. Donc ça va, j'espère juste que sur le long terme, ça va pas répéter bah, tous les 4-5 mois, parce que bah sinon je me fais un stock de latte, tu vois, mais... Déjà il faut que je rachète un des matelas, parce que mes chattes avaient vomi dessus, et en nettoyant je l'ai très abîmé. On peut dormir dessus sans souci, mais on peut pas racheter que la mousse. Merde, Castaner. Voilà. Intoxka underscore N2X qui nous follow, et ben merci du coup Intoxka, bonjour tout le monde, je ne vous connais pas, mais je vous souhaite que du bonheur, la santé et la réussite dans la vie. Bah écoute, c'est très gentil, même chose à toi du coup. Ah, et ce qui me fait penser du coup, je crois que si j'ai lancé Stream Label, c'est bon, il va te prendre en compte. Donc, il est un peu... Merci beaucoup pour ce follow. Je papotais, je faisais du story time. Je fais du story time nul sur mes lattes de lit. Voilà. Bon, allez, sans transition, parce que mine de rien, j'ai quand même un peu un horaire limité avant de finir ce stream. Je vous propose qu'on passe du coup aux news. Alors, aux actus. Alors, je vais juste préparer du coup la petite fenêtre.
Bienvenue, si tu souhaites du coup rester pour poursuivre le live. On parle du coup, là on va parler de d'infos en lien avec la langue des signes et ou la communauté sourde. Voilà, donc c'est des infos soit qui concernent du coup les nouveautés, les nouveaux trucs mis en place pour les personnes sourdes ou vraiment des articles scientifiques que j'ai vu passer par exemple. Voilà, en lien avec de la langue des signes. Il y a un peu de tout. Voilà, c'est un peu, on va être un peu dans le désordre, mais voilà, c'est de la review d'info. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester. Et puis sinon, en tout cas, bonne journée à toi. On transitionne. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si à un moment mon son déconne parce que j'ai changé de logiciel. J'ai pris une autre version du logiciel que j'avais pour ma voix. Histoire d'avoir 2-3 options en plus. Normalement, je l'ai réglé comme l'autre, mais des fois, ça peut se mettre à saccader s'il y a un problème de sampling. Donc, vous me dites si à un moment ça déconne, voilà, genre Gekon, on t'entend mal, machin. Vous le dites et je corrige ça rapidement. Je peux repasser au moins au micro de base. Voilà. Alors, premier truc, du coup, de la pote des entre-deux. C'est le truc dont on a déjà parlé, mais des fois, voilà, j'aime bien reparler de certains trucs. Soit il y a eu du nouveau, soit en tout cas c'est important pour moi de faire des rappels. On va parler du coup de son trade important en site tweet à l'attention des Twitchos et de l'accessibilité. Voilà, qui dit « Je ne vois malheureusement que très peu de lives qui proposent des sous-titres. Quand je le souligne, l'un des arguments c'est « Ah, mais ça va casser mon overlay ». Donc l'overlay, hein, on rappelle, c'est le décor qu'on a voilà, sur notre chaîne. Moi c'est mes petites fenêtres bleues et mon background et tout, mais... C'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le côté visuel. Donc ça a cassé mon overlay, ou ça va faire moche, soupir, aka ouragan. Pourquoi j'en reparle? Parce que bon, moi j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, qu'il faut que je refasse d'ailleurs, que j'update, parce qu'il y a quelques changements, il y a quelques corrections à faire dedans. Donc il faut que je m'occupe, ça arrivera un jour. Ainsi qu'une autre vidéo sur les outils de sous-titrage, parce que je trouve ça utile. Les outils de sous-titrage accessibles, simples, hein, pas les trucs de professionnels ultra compliqués que, voilà, qui existent, qui sont très très bien, mais voilà. Ouais, comme dit Clek, en fait, il n'y a pas beaucoup de lives qui sous-titrent, de personnes qui sous-titrent leur stream. Alors qu'en fait, ça se fait assez simplement, vous le voyez, je l'ai, notamment avec l'extension, du coup, donc vous avez le petit bouton sur la droite. Il y a plusieurs solutions pour le faire. Et d'ailleurs, Clegg va en parler. Mais on va descendre dans son thread de en vrai pourquoi c'est important et pourquoi justement l'excuse du ça va faire moche. Non. Il y a des solutions qui entre guillemets ne font pas moche. Celle que j'ai par exemple est totalement désactivable. Si vous entendez que vous n'avez pas besoin des sous-titres, vous mettez pas les sous-titres et tout ce que vous avez c'est une petite icône voilà sur la droite de stream que je considère pas super gênante. Ça va. Donc on va descendre. Voilà. Donc l'argument de l'accessibilité devrait suffire. Et je suis plutôt d'accord. En général, si on me dit, bah tiens, tu peux faire ça, c'est facile, t'as pas besoin d'avoir de compétences spécifiques et ça rend ton stream accessible. Bon. Normalement, voilà. Mais je vais quand même vous rassurer, voilà, vous pouvez sous-titrer sans que ça ne perturbe vos précieux overlays. Il existe une extension qui permet aux gens d'activer et de désactiver les sous-titres selon leurs besoins juste en cliquant. Donc là, c'est l'extension que moi j'utilise aussi, qui est Stream Closed Captioner, Stream Closed Captioner, qui a été fait par Talk to Me Gooseman. Voilà, il y en a une autre qui existe, mais qui, chez moi, avait cessé de fonctionner à un moment, et je m'en suis rendu compte d'ailleurs assez tard. C'est pour ça que maintenant je vérifie toujours en début de stream que j'ai les sous-titres. Mais voilà, c'est une extension Twitch, donc si jamais vous ne faites pas de live, hein, globalement, quand vous faites des streams sur Twitch, vous pouvez, via Twitch, du coup, avoir des extensions qui sont approuvées par Twitch et que vous ajoutez à votre chaîne. Donc des fois, c'est comme là, c'est par exemple, donc c'est ajouté à l'overlay, donc par-dessus le stream. Il y a des extensions qui vont vous rajouter un bot, par exemple, pour dire quelle musique est en train de passer. Il y a des extensions qui vont rajouter des infos sur le jeu auquel vous êtes en train de jouer. Enfin, voilà, il y a des extensions pour tout. Voilà, pour des jeux en particulier, pour des options, donc il y en a pour tout, c'est ça, c'est des trucs qui sont officiellement validés par Twitch. Et voilà, tuto en 3 étapes pour être accessible, tu vas sur le site, donc le lien qui est là, donc c'est celui que j'ai, tu utilises Chrome, c'est important puisque effectivement ça utilise la reconnaissance vocale, non, la reconnaissance vocale de Google, qui du coup, qui donc nécessite de passer par Google Chrome. Voilà, c'est pas grave, hein, juste peut-être que comme moi, vous n'aimez pas utiliser Chrome, mais bon, dans un stream, on peut largement faire avec, ça ne bouffe pas non plus toutes les ressources de votre ordi pour ça.
Tu te connectes avec ton compte Twitch, hein, c'est ce que ça demande, et tu as le truc donc clicks to start. Alors, il me semble que c'est pas Captation, mais c'est Caption, je vais vérifier. Mais c'est ça. Bon, elle a mis Captation. Pardon. Captions, voilà. Perdu, c'est là. Voilà, cliquez pour démarrer donc les sous-titres, les captions, et voilà. Et en fait, vraiment, c'est ça. Et c'est-à-dire que là, vous voyez, donc, si vous êtes sur l'appli, vous avez une petite... moi, je suis en train de cliquer dessus, comme si vous le voyez. Vous avez une petite icône CC donc, qui permet d'alterner entre les sous-titres et le chat, sur l'application mobile. Ah bah, attendez, j'ai coupé mes sous-titres. Ça marche plus. Ah non. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est un peu long. Voilà. Et si vous êtes du coup sur ordi, bah vous cliquez donc sur l'extension, vous pouvez activer, désactiver, machin. Donc c'est vraiment assez simple à mettre en place, il vous suffit juste du coup bah, que le micro soit connecté à l'ordi qui va capter le son. Parce que des fois quand on stream, c'était un peu le truc que j'avais à un moment, c'est que moi j'utilise qu'un seul ordi pour streamer, parce que c'est amplement suffisant pour ce que je fais. Il y a des gens qui ont deux ordis en simultané, un qui s'occupe de gérer le côté stream, voilà. Et un autre du coup c'est le côté par exemple jouer à un jeu ou utiliser un programme très gourmand, et donc il y a une carte de capture entre les deux qui récupère les infos vidéo et audio du PC qu'on utilise vraiment pour jouer et qui envoie tout ça au PC qui s'occupe de streamer. Ça permet de streamer avec une meilleure qualité et d'utiliser nos logiciels à pleine puissance. Mais en vrai même comme ça bah, ça marche parce que vous branchez juste votre micro au PC qui stream et le problème est réglé. À nouveau, hein, vraiment, Chrome, je sais que Chrome, c'est un navigateur de merde. Là, on n'a pas le choix, mais en vrai, il est... Voilà. Très... C'est très détente, quoi. Voilà. Si ça ne marche pas, il faut que tu checkes dans les paramètres, comme dit Kleck, donc que tu as autorisé l'accès à ton micro, et tu peux même choisir ta langue, ce qui est vrai. Moi, j'ai mis le français par défaut, donc si je me mettais à parler dans une autre langue, il faut juste que je switch de langue. Voilà. Mais, en général, un stream se fait... dans une seule langue, si on enchaîne sur plusieurs autres langues, il y a après d'autres questions techniques qui peuvent se poser. Mais je pense pas que ce soit la majorité des streams. Donc voilà, certes, il peut y avoir certaines inexactitudes effectivement dans le sous-titrage, mais ça reste à minima un complément à la lecture labiale. Tout à fait. Parce que là, faut vous dire que bah, moi, j'essaie d'avoir un overlay où j'arrive à tout rentrer dedans, mais je sais que là, par exemple, selon la taille de votre écran, bah, ma bouche, vous pouvez pas bien la lire. Plus, j'ai de la barbe et tout, donc ça n'aide pas. Je peux accidentellement, voilà, hop, masquer ma bouche, enfin voilà. C'est pas le feu. Donc là, en gros, c'est un complément. Évidemment, ça manque de ponctuation, etc. Mais on va y revenir. On va y revenir. Ah oui, et donc, évidemment, voilà, à condition de ne pas cacher votre bouche derrière votre micro. Donc pareil, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle, il y en a qu'on... Moi, j'ai un petit micro sur pied. Voilà. Il y en a qui vont parler comme ça. Bon, je baisse un peu parce que ça doit être fort. Il y en a qui parlent comme ça. En fait, ils ont leur micro qui pendouille, ils parlent comme ça. Super, non. Mets ton micro là. Voilà. T'as peut-être un son légèrement moins bien, c'est possible. Voilà, tu l'orientes, tu te démerdes. Le son est peut-être légèrement moins bien, il n'y a pas de souci. D'accord ? Je comprends, c'est chiant et tout. Mais entre un son légèrement moins bien et un stream qui est plus qui est compréhensible par une plus grande majorité de gens, qu'est-ce qu'on prend ? Bien, vraiment. D'accord ? Vous avez le droit hein, d'être perfectionniste et de vouloir un son top of the pop. Mais à un moment aussi, faut pas que ça aille à l'encontre, enfin, faut pas que ça gêne du coup d'autres personnes, en fait. Voilà. Et c'est moins important d'avoir un son ultra clean que bah, qu'on vous voit correctement et que vous n'empêchiez pas la compréhension de ce que vous dites. Voilà. Moi, je sais très bien que mon son, il est très très loin d'être ultra propre. Hein. Là, je peux me réécouter, normalement. Ouais, voilà. Bah, il est mieux parce que maintenant, on entend moins les pshhh derrière. Mais voilà. Là, voilà. Bref, donc voilà, et ah oui, donc elle a mis au passage foncé soutenir donc Mélanie LMST, donc Mélanie Def, qui est une personne concernée, qui est une personne sourde et qui fait des Twitch de temps en temps, qui fait des live Twitch, voilà, qui donne des petits cours de vocabulaire, qui parle de culture sourde en stream et tout, voilà, et c'est vrai que c'est une très très bonne personne, Mélanie, je me permets d'ailleurs, on va faire ça, hop, et je vais vous balancer son... la chaîne si jamais vous le souhaitez, parce que c'est très intéressant ce qu'elle fait. Donc pour finir, alors oui, bon là c'était la petite parenthèse, mais voilà, pour finir on dit langue des signes et pas langage des signes. Arthur Mas, de dire à tous et toutes les collègues, pardon, streamers et streameuses de mettre les sous-titres.
Voilà, petite chaîne ou mastodonte, tout le monde doit être accessible. Voilà, d'autres pistes. Alors oui, effectivement, moi j'avais répondu pour compléter. Alors il y a cette vidéo là, qu'on va peut-être pouvoir se remettre, si on veut, mais voilà. Et donc vous avez, comme je disais, vous avez aussi PubNu, Google Meet qui existe et tout. En fait, là ce qu'il y a, c'est que voilà, le problème. La solution, donc là qui parle, fonctionne quand on a une personne qui parle. Quid de si j'invite quelqu'un en distanciel, hein, voilà, on se fait un visio et tout, on joue, on papote, je sais pas comment on fait. Et bien pour ça, on a une solution qui s'appelle Google Meet. Donc il faut quand même disposer d'un compte Gmail, mais vous pouvez en créer un gratuitement pour l'occasion, donc c'est pas non plus une étape trop longue, et vous le réutilisez. Et en fait, Google Meet permet d'activer des sous-titres de manière automatique. Et ça affiche en fait l'avatar et le nom-prénom. Alors, c'est le nom-prénom qu'on a mis sur Google, mais le nom-prénom du coup de la personne qui parle. Et donc, ça permet de savoir qui parle, même si tout le monde parle en même temps et qu'il y a une cacophonie. Et ben, on a les sous-titres qui vont s'enchaîner et ça arrive à peu près à capter ce qui se dit. Et ça corrige plus ou moins en direct. Donc ça, c'est déjà une autre solution. Voilà. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai des invités, au maximum si je peux. Je m'occupe d'utiliser Google Meet et sauf qu'il est exceptionnel, je l'impose un peu, mais je dis aux gens on passe par Google Meet parce qu'en fait c'est la seule solution où moi je peux activer, en fait c'est juste moi qui ai à activer les sous-titres, c'est tout. L'autre personne n'a pas plus d'effort à faire que d'aller sur le lien de la réunion voilà, et de parler. En fait c'est tout, c'est comme quand elle fait un meeting Zoom et tout machin, parce que sur Zoom on peut être sous-titré, sauf que ça demande un effort qui peut être considérable de la part des deux parties, qui est pas très facile à mettre en place. Sur Discord, pareil, alors c'est encore plus compliqué sur Discord, donc j'ai regardé, j'ai abandonné, parce que Google Meet propose une alternative qui est suffisamment bien. Voilà. Voilà. Il y a aussi donc une extension qui existe. Alors oui, l'extension, la personne a proposé voilà, cette extension au fonctionnement similaire, qui malheureusement, du coup, c'est ce que je disais, alors à moins qu'il y ait du nouveau, mais en tout cas, qui, aux dernières nouvelles, ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il ne met plus les sous-titres, donc bon. Mais je vais vous... On va se refaire un peu, parce que ça vous parle des... Voilà, petite vidéo de 17 minutes, allez, vous allez me supporter pendant 17 minutes. C'est moi et mon ego. Non, alors, c'est cette vidéo, justement, voilà, que je compte refaire. Une vidéo incroyable, hein, qui a fait 153 vues, qui date d'octobre. Non, parce qu'il y a effectivement... Déjà, elle manque de chapitrage, donc ça, c'est un premier truc. Il faudrait que je la chapitre, mais il y a quelques inexactitudes dedans. Et j'ai été corrigé a posteriori. Donc voilà. Le bon coucou de Schnorr à Rissub, ça va faire 13 mois. Mais que fait de Schnorr de son argent? Trop d'oseille. Depuis qu'il a eu le train de la hype, de Schnorr dépense sans compter. Comment ça va? Informe. C'est bien parce que 13e mois d'abonnement, c'est-à-dire que t'as bientôt du coup le badge Ronflex. Et puisque j'ai réalisé récemment qu'il fallait que je fasse les badges pour les gens qui suivent la chaîne depuis plus de je sais plus combien de temps, mais depuis longtemps. Et donc du coup j'ai paniqué, j'ai mis un Ronflex. J'allais remontrer un petit peu cette vidéo là parce qu'on reparlait du fait de sous-titrer les streams. Y a un badge. Alors ce badge là, tu l'as. C'est pas un badge 13 mois, non, moi c'est un badge. Moi j'ai un badge un an et demi, mais parce que du coup évidemment je fais auto-sub à ma chaîne. J'ai plus les. Je crois que c'est au bout de 16 mois, donc c'est dans 3 mois. Si tu payes encore, voilà, si tu me donnes encore de l'argent. Attends, ce qui me fait penser à un truc. C'est pas 12 mois. Non, en fait, quand tu restes affilié, au bout de 12 mois, après, ça se débloque. En fait, tu débloques les autres badges, du coup, qu'il faut faire. Et comme je n'ai plus contact avec la personne qui s'est occupée de mes badges lézards, et je n'ai pas retrouvé le... Parce qu'elle m'avait envoyé, elle avait accepté... Enfin, c'est elle qui l'avait dit. Elle m'avait envoyé l'original que je pouvais modifier, et en fait je l'ai perdu. Et comme j'ai pas des compétences de ouf en termes de modif, j'ai préféré partir du coup sur des Pokémon, donc j'ai pris un Ronflex, je crois, voilà. Vérifie dans ton truc d'affilié et tout, tu viens. Voilà. Ouais, jeudi des... Attends, masquer un truc. Je veux juste... Je pense juste à un truc. C'est avant d'oublier que je le fais, parce que sinon je vais oublier justement. Tac. Voilà. Ça ne vaut pas un sub, mais je te laisserai aller voir dans l'argent que tu as gagné.
Non mais j'y pense parce que je suis jamais sur ta chaîne et je suis jamais sur les lives et du coup je voilà, j'ai envoyé des bits. J'ai reçu quelques bits du Research Power Group, donc voilà. Ça vaut pas un sub, mais c'est cadeau. Du coup, oui, je vais relancer cette vidéo qui parle du coup voilà des outils de sous-titrage pour Twitch, et puis après on passera à autre chose. Alors je vais mettre les sous-titres, mais quand même, par contre je l'ai sous-titré. Hein. Mais oui, j'avais pas remarqué que j'avais débloqué celui des 1,5. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un an et demi et deux ans. Et après, si tu continues ton contrat d'affiliation, du coup, tu finis par... voilà. Merci, de rien. Alors du coup, je vais couper la musique. Et je vais mettre moi. Bon, c'est vrai, c'est moi qui parle et tout. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres vidéos qui font ça. Mais bah, c'est celle que je connais, donc je vous la montre. Voilà. Et je corrige les boulettes au cas où. La vidéo est très très bien montée, évidemment. Sur une pub à un truc qui s'appelle Twitch Subtitles qui est utilisé, alors je sais que Mélanie l'a utilisé sur son dernier live, je sais que des gens qui sont passés sur les lives m'ont justement posé des questions, utilisent ça encore aujourd'hui. Déjà je vais expliquer un peu comment ça marche. Twitch Subtitles, donc moi ce que j'appelle ça PubNub en vrai, PubNub, c'est un site qui fonctionne sous Chrome, qui peut marcher aussi donc on m'a confirmé sous Chromium, c'est la version de Chrome qu'on a sous Linux, ça marche sous Mac et ça marche sur Windows, ce qui est je trouve bien, globalement, parce que ces trois systèmes, il me semble, qui sont utilisés par beaucoup de gens. Mais en gros, l'idée, c'est que vous avez juste cette page Chrome qui est ouverte pendant votre stream. Et vous voyez là, si vous allez sur la page, voilà. Alors, c'est en anglais, mais c'est assez simple. En gros, il faut juste dire à cette page. Là, si vous regardez par là, vous verrez, bah du coup, ils sont en bas, ils sont un peu cachés. Mais voilà, vous verrez les, vous voyez, les sous-titres que je dis. Du coup, c'est ça qui apparaît sur le stream. Et donc, ce qu'on a derrière, vous voyez les sous-titres, voilà. Ça, par défaut, c'était incrusté sur l'overlay. Attention, c'est une solution où c'est incrusté par-dessus, donc si vous sentez que vous n'avez pas la place ou quoi machin, il y a d'autres solutions qui existent après. Activez votre micro, donc en gros vous dites à la page, oui tu peux enregistrer ce qui sort, donc là en l'occurrence, voilà vous le voyez, de ce micro-là, tout ce qui capte, il le prend. Vous voyez d'ailleurs les sous-titres normalement défilés et tout. Vous avez ce petit code ici. Comment ça va sinon d'ailleurs de Schnorr dans... Alors il parle d'OBS, ça peut être Streamlabs OBS aussi, en fait c'est ce... Alors, petite correction, pas très très utile, mais Chromium est le navigateur open source à la base de Chrome. D'accord, dispo sur... Eh ben tu vois, c'est le genre de truc... C'est... Bon, alors, c'est sûr qu'effectivement, c'est peut-être un truc très tech. Très, voilà. Mais ça fait partie des petits trucs qu'il faut que je corrige, tu vois, sur cette vidéo que je vais refaire, du coup, qui sera sensiblement la même, mais avec, du coup, des corrections directement dedans. Voilà, comme ça, si les gens retombent dessus, eh ben du coup... Ça va et toi? Bah moi ça va aussi, hein, du coup voilà, là je, comme je disais, je fais le petit stream et j'enquille d'ici une heure sur un apéro. Et c'est plein de trucs, il m'est arrivé plein de trucs, voilà, mais fallait venir au début du live aussi. Mais voilà. Ça va très très bien en tout cas. Très très bien. Bientôt, je vais travailler 2 jours et demi cette semaine, donc ça va très très bien. On appelle une source navigateur dans votre logiciel de streaming. Prenez ce lien. Vous le copiez, vous le mettez dans la source navigateur et en fait ça va juste, normalement si je le mets là ça devrait marcher, en fait ça n'affiche que ça, voilà, ça n'affiche que les sous-titres. Correction, vu que demander, Chromium c'est la version libre qui sert de base à Chrome, les deux en fait, tu vois. Linux, mais les libristes préfèrent Chromium. Merci pour cette précision. Là j'avais déjà corrigé. Donc voilà, vous savez, ça peut marcher sous Chromium et sinon ça marche sous Chrome. Donc en gros, voilà, vous mettez ça, vous gardez Chrome ouvert tout le long du stream, donc vous pouvez réduire la fenêtre, ça marche. Hein. Moi, Chrome, il est en arrière-plan, il est réduit, ça marche pareil. Et si on le veut, on peut customiser du coup le look du truc. Alors, on peut modifier le style, vous envoyez plein, oula, pardon, vous envoyez plein ici, à savoir. Alors, je ne connais pas toutes les règles pour afficher correctement des sous-titres, mais l'idée, c'est que le texte puisse se Alors c'est très marrant parce que c'est un peu les questions que tu me posais tout à l'heure, on en discutait et tout, mais voilà, c'est vrai que c'est la règle de base, voilà. Si vous avez des sous-titres, il faut... oui, Chromium est open source mais pas libre. Après peut-être que je l'ai mal relu, j'arrive pas à lire le chat d'ici. Vous réglerez ça en 1v1 à... C'est où? C'est à Orly? C'est à Roissy? J'ai oublié où il s'était tapé Booba et Caris. Il a dit libre, bon ben voilà. Il a dit libre. Mais ouais, pour les sous-titres, globalement, je leur dis après, mais en fait, voilà, quand vous mettez des sous-titres, assurez-vous que le texte contraste avec le fond sur lequel il est. Donc si vous ne voulez pas de fond, ce qui est possible, enfin, vous pouvez pas rajouter un fond en plus du texte, mettez votre texte à un endroit où c'est lisible. Faites pas comme les jeux vidéo qui vous mettent juste du texte en blanc, vous savez, sans ombrage, sans contour, et dès que le texte, et vous êtes sur de la neige ou sur une surface qui est très très claire, et ben vous voyez plus rien, et donc du coup l'info n'est pas transmise.
Voilà. Bon, c'est con. En fait, c'est vrai que c'est con parce qu'on y pense quand on connaît le truc, etc. On n'y fait pas toujours attention, mais voilà. 1v1 open source sur. Ah, Super Tux Kart, ça me dit quelque chose. C'est Mario Kart, mais avec le pingouin de Linux, c'est ça? Ça me dit quelque chose. Pardon, mais bref, voilà. Juste, gardez ça en tête. Il faut que le texte soit lisible en toutes circonstances. Si jamais vous avez un doute, faites une petite vidéo de vous-même que vous sous-titrez et vous l'envoyez à des gens en leur disant. Vous coupez le son, voilà. Et vous envoyez, du coup. Je regarderai par contre le Mario Kart League, parce que si on peut y jouer à plusieurs, il y a peut-être moyen de faire des streams là-dessus. Dépense la Switch, mais voilà. Mais bref, oui, voilà, faites une vidéo de vous-même, coupez le son, faites des sous-titres, et regardez si les gens arrivent à comprendre ce que vous dites, juste avec les sous-titres. S'ils comprennent tout et qu'ils peuvent tout lire, c'est que du coup, c'est adapté à là où vous voulez le mettre. C'est un peu ce que je te disais, notamment, par exemple, là, je dérive un peu, mais quand je parlais de TikTok, il est pas conseillé de mettre ses sous-titres en bas de la vidéo, même si même si ça semble naturel. Pourquoi ? Parce que TikTok utilise l'espace du bas de la vidéo pour le nom d'utilisateur et la description et les hashtags. Et donc, en fait, si vous mettez vos sous-titres en bas, ils vont être derrière les hashtags et donc ils sont pas facilement lisibles. Ça arrive, ça m'est arrivé aussi, d'accord. On peut encore se corriger et tout, mais voilà. N'hésitez pas à faire ça. Vous l'envoyez à quelqu'un, vous dites « Attends, tiens, tu peux juste regarder et me dire si du coup tout est clair. » Si la personne te dit « J'ai tout compris », en général, c'est que normalement, tes sous-titres, c'est réussi. Voilà. Parce que la personne, soit sourde ou pas, qu'elle ait l'habitude des sous-titres ou pas, qu'elle est capable de lire les sous-titres et qu'elle a tout compris clairement, c'est que du coup, vous avez réussi votre boulot. Voilà. Ça peut être un test à faire, hein, et ça marche avec n'importe qui, c'est l'avantage. Il faut que je corrige le... bon courage. Mais voilà. Je le dis, ça paraît bête, mais voilà. Et là, justement, on le voit sur YouTube, c'est personnalisable, mais c'est du blanc sur fond noir. Légèrement opaque, d'ailleurs, qui a 50% d'opacité, mais ça suffit. 50 ou 75, attends, je vérifie. Non, taille de poule. C'est ça, 75% l'opacité. Vaut mieux pas descendre en dessous des 50. Parce qu'après, ça ne sert plus à rien. Voilà. Sinon, vous mettez un bon contour sur vos lettres ou un ombrage éventuellement. Si vraiment, il n'y a pas d'option, voilà. Détaché du fond. Donc ça va aussi dépendre un peu de votre layout, de vos scènes, de à quoi elles ressemblent sur Twitch. Dans l'idéal, les deux que je recommande... Tu peux m'envoyer ta vidéo, hein, tu peux. Celle que j'ai hein. Actuellement, la Inverted. Donc vous avez un fond blanc et du texte en noir. On peut lire, voilà, noir sur blanc. Ou vous avez l'inverse. Je vais cliquer, vous allez voir sur le stream ce que ça donne. C'est du blanc sur fond noir, tout en majuscule. Ça, c'est lisible. J'ai un fond noir, j'ai une police qui est de la couleur opposée, hein, littéralement. On peut me lire, il n'y a pas de souci. On va faire un test très rapide. Vous avez le texte, par exemple, en rainbow, très certainement très joli. Coupez le son du live pendant 2 secondes et essayez de voir si vous arrivez à lire ce que je dis. Changer un sous-titre va impacter. Fort probable que... cool. Oh oui, donc ça. Je remets en normal, hein, je faisais un test, évidemment. Alors, juste voilà. Pour voir, tiens, vraiment pour montrer. Bon, c'est vrai que le rainbow, c'est clairement le... C'est clairement le max, mais voilà. Je coupe juste les sous-titres pour montrer le changement. Et d'ailleurs, tiens, je coupe le son. Voilà, paf. Et on voit évidemment, du coup, qu'on ne voit rien. on ne voit rien, voilà. Ça me rappelle l'époque où je téléchargeais mes animés, il y a très longtemps, où c'était rippé sur des DVD avec plein de styles et de polices illisibles. Ne faites pas ça. Prenez des jolies polices, voilà. La Rainbow, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est ça, tu vois. Il y a la Default qui marchait à peu près, qui est un blanc ombragé. La Yellow, pareil, c'est du Yellow avec une ombre. Tant que t'as pas de jaune, en fait, en fond, ça va. La Default, c'est un peu pareil. Parce que dès que t'as du blanc, c'est quand même difficilement lisible. La Bold est un peu plus lisible. Bon, la Shadow, clairement, elle est floue, elle sert à rien. Voilà. Je pense qu'il y en a après, c'est pour faire des effets de style. Mais voilà. Mais ouais, même pour les streams, de manière générale, quand je vais faire, regarde. Moi, par exemple, j'aime bien les jolies polices. Tu vois, il y a les polices de... Bon, alors, par exemple, les fenêtres, là, tu vois, chat.exe, geckoessence.exe, bon, à la limite, si ça, on ne le lit pas... C'est pas une info qui est vitale au stream et tout. C'est chiant, il faut quand même que ce soit lisible, mais si ça ne l'est pas, le stream est compréhensible et tout de suite. Mais par exemple, petit exemple très vite, quand je suis en pause, j'ai cette jolie police que j'aime bien, que j'ai réutilisée, juste, voilà, je la trouve très belle, elle est lisible. Voilà, la police que j'utilise en haut pour le last sub et tout, c'est la baie basse. Voilà, le widescreen, hein, du coup, c'est par exemple, c'est la même, voilà, c'est exactement les mêmes trucs, et l'écran de fin, same. Enfin, du live et tout, c'est la même police à chaque fois. J'ai oublié le nom, je crois que c'est une Roboto. Non, c'est pas une Roboto. C'est Ron quelque chose, voilà. Utiliser des polices lisibles.
Parce que quand vous mettez des trucs ultra stylés, c'est super cool. Sauf que si on peut pas vous lire, ça sert à foutre rien. Voilà. C'est con, hein, mais... C'est con, et je sais que c'est frustrant et tout, mais il y a beaucoup, 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 voilà, de police lisible. Je crois que de mémoire, tout ce qui est sans sérif, ça passe. En normal, hein, je faisais un test, évidemment. Voilà. C'est horrible. C'est pareil pour le... pardon. Pour le défaut, le yellow. En fait, comme ils n'ont pas de fond, le clean, mono, blue, yellow, enfin, tout le monde n'a pas de fond... Sauf inverted et caption, si vous ne mettez pas vos sous-titres sur un fond d'une couleur qui permet de dénoter, ça ne marchera pas. C'est une très bonne initiative, mais ça ne marchera pas. Voilà. Donc, le shadow, ouais, c'est... C'est lancé, vous voyez, je parle. C'est la pire idée du monde. Ça se met à jour assez rapidement, ça se corrige en temps réel. Petite correction, et après je réponds à ta question à Moripi. Mélanie, tout à l'heure, disait « ça traduisait un peu mal pour moi, je crois ». Alors en fait, j'avais eu l'écho de par Laurent Charrier, qui utilise ça aussi, qu'il avait utilisé, avec notamment Lucas Wilde. Lucas Wilde qui est sourd, et en fait Lucas Wilde oralise, il parle, mais en fait comme il a une voix assez faible, le micro capte assez mal, donc en fait il faut arriver à estimer... À nouveau, hein, c'est vrai que c'est très mal formulé, c'est pas du tout un jugement, au contraire, voilà, on a le droit aussi, enfin il n'y a pas de souci si on a une voix... qui porte moins bien, et puis encore plus, bah, je sais que c'est le cas de Mélanie, c'est des discussions qu'on a déjà eues, où bah, en fait, comme elle entend pas son retour, bah, c'est difficile pour elle de savoir à quel point le micro capte précisément, c'est normal, si on n'entend pas, donc des fois je sais que ses sous-titres déconnent un peu, et bah, après il faut à la fois pouvoir contrôler sa voix, mais aussi contrôler ce que capte le micro et tout, et on n'a pas de subtilité là-dessus, c'est-à-dire que moi clairement, Chrome me dit, je capte ton micro, c'est tout. Voilà, je peux pas faire comme dans OBS ou avec VoiceMeeter, bouger, augmenter le son, etc. Si je suis trop loin de mon micro, ou si mon micro capte assez mal ma voix, ou si ma voix est trop faible, ou l'environnement pas ouf, enfin voilà. S'il y a des paramètres qui font que la voix en tout cas est mal captée, forcément du coup, le logiciel aura du mal, enfin la reconnaissance vocale aura du mal à afficher les sous-titres. On va peut-être pas se faire la vidéo en entier en fait, parce que je réalise que là ça va être très long si je commente tout. Faudrait un petit vue-mètre. Bah ouais, en fait, faudrait... En théorie, il y a des solutions qui existent pour rerouter le son qui est capté par le micro vers un... Alors, j'ai pas le nom, mais en gros, enfin, je vais dire un micro virtuel. Voilà, globalement, votre ordi, il fait comme s'il y avait un deuxième micro virtuel sur lequel vous avez la main, et donc là, vous bougez sa sensibilité, qui peut augmenter ce qu'il capte uniquement pour les sous-titres. Et donc, ça peut un peu mieux marcher. Mais à nouveau, c'est de la technique, ça marche plus ou moins, je sais pas ce que ça bouffe en termes de ressources. Bon. Voilà, ce n'est pas une solution miracle, mais là aussi on parle de cas où les sous-titres essayent de s'adapter pour le coup à une norme qui est escalée, qui n'est pas forcément très bien, mais les sous-titres essayent de s'adapter à la plupart des personnes, à la majorité des personnes, et donc forcément ça en exclut aussi d'autres. En vrai, si on avait un petit micro-cravate, normalement ça marche mieux, mais le prix d'un bon micro-cravate, filaire ou non, c'est pas non plus donné, tu vois. Moi, mon micro USB, c'était 20-25 euros, et je trouve qu'il fait un travail correct. Voilà, on m'entend plutôt bien. Un bon micro-cravate, j'en avais un, micro-cravate de base, pas ouf, hein, je crois que j'avais payé 15 balles, il faisait l'affaire, mais... Voilà, quoi. C'est con de devoir racheter du matériel et tout, voilà. Ça demande de la connaissance. Bah, c'est ça, en fait, ça demande quand même un petit peu plus de connaissance. Après, si on a, par exemple, un truc genre un Go XLR, une table de mixage, du coup, qui est physiquement entre le micro et l'ordi, là on peut bidouiller, mais pareil, un Go XLR, je crois que c'est 100 balles minimum, enfin des équivalents au Go XLR, c'est entre 100 et 200 balles, donc c'est une table de mixage, hein, globalement, voilà. C'est bien, hein, c'est super, mais est-ce que tout le monde a envie de s'acheter ça juste pour avoir des sous-titres en stream, quand déjà Twitch ne ramène pas beaucoup d'argent, voilà. StreamElement, ça marche, merci. Bon, écoute, de rien, il est sympa. D'ailleurs, j'ai oublié, il y a une commande, alors c'est vrai qu'il faut que je le modifie après, mais il y a une commande don qui existe, si jamais, je le redis d'ailleurs, j'aimerais après. En fait, je vais essayer de commencer à prévoir un peu les sous-côtés. Alors, moi, j'en mets de côté, évidemment, mais si vous voulez filer un coup de main, à l'occasion, voilà. Évidemment, toi en plus tu subs déjà à la chaîne, t'as déjà envoyé des bits, donc clairement, voilà. Mais si vous voulez filer un coup de main, comme c'est le cas pour certains, j'ai un donateur par exemple régulier sur Utip, et que vous dites, bah tiens, voilà, moi c'est de l'argent vraiment juste que je mets de côté, notamment bah, pour payer des interprètes, parce que les interprètes, bah, c'est normal, c'est un métier, faut les payer, mais donc du coup, bah, l'argent n'est pas magique, et donc je le sors de ma poche, et Twitch est clairement loin d'être rentable là-dessus, j'ai mis en place un système de dons, voilà, sur via StreamElements,
Donc si vous souhaitez à un moment filer un coup de main pour en prévision des de l'interprète qui viendra, donc là il y en a peut-être une qui est prévue pour l'été. En fait moi ça me permet de. Il n'y a pas d'argent magique, non, j'aimerais bien. D'ailleurs j'ai appris qu'on était genre dans le top, je sais plus, genre quand une fois que t'as eu au moins un virement de Twitch, t'es genre dans le top 30%, je sais plus, ou 20% des gens. Genre il y a plein de gens qui sont affiliés et qui n'ont jamais eu, au bout même de plusieurs années, hein, de virement. Je sais pas. Mais ouais, en gros, voilà, l'idée, ce serait d'avoir une espèce de pool, d'avoir un peu d'argent de côté, pour que bah, le moment où j'ai besoin d'une interprète, je puisse assez rapidement programmer le live, et que j'ai pas à me dire, ah, faut que ce soit dans 2 mois, parce que là, c'est un peu le cas avec un invité, justement, c'est pas trop gênant, juste, je suis obligé de décaler à dans 2 mois, au lieu de le faire d'ici 2 ou 3 semaines, parce que faut juste que j'ai un peu d'argent de côté, pour pouvoir payer l'interprète, parce que cet argent, voilà, c'est clairement des économies, hein, qui... Et je peux pas payer un interprète tous les mois. À ce point, ouais, non, mais en fait, j'avais regardé, il y a pas mal de streamers qui en parlaient, parce que je l'ai vu une fois, en me disant, bon, je pense que les gens déconnent et essayent de, je sais pas, de nous envoyer des fleurs ou quoi. Mais ouais, en fait, c'est assez facile d'avoir l'affiliation. C'est pas le plus compliqué, même quand tu pars de rien, c'est-à-dire quand t'as rien créé sur Internet, quand t'as pas de communauté et tout, c'est pas trop compliqué d'avoir l'affiliation. Ça s'obtient avec le temps. Mais par contre, en fait, pour qu'il y ait une action, pour que les gens dépensent des bits, pour que les gens sub, même subprime, etc., et ben en fait, avant d'atteindre les $100 de virement, il y en a, ça fait 3 ans, 4 ans, je connais quelqu'un, ça fait ouais, au moins 2 ans qu'il stream, je crois qu'il n'a pas encore eu son premier virement de Twitch. Moi, j'en suis à mon. Là, je l'ai normalement dans 2 mois, dans 2 ou 3 mois, je devrais en avoir un autre, j'en serai à mon 5e ou 6e virement. En 1 an et demi, ce qui est non plus pas énorme, hein. C'est l'année dernière j'ai généré moins de 400 euros, hein. 300, entre 350 et 400 euros, donc, clairement qui ont été réinvestis directement dans Twitch. Voilà. Matos, généralement, je crois qu'il y a peut-être 10 euros que j'ai dû me garder pour me payer un Uber Eats, et voilà. Ou un apéro, mais globalement tout est réinvesti dans du matos direct pour Twitch. Et le prochain d'ailleurs c'est ça, je vais investir dans un petit appareil de capture, puisque le mien est en fin de vie et ne fonctionne plus très bien, et voilà. Et puis j'ai une pote qui en aurait besoin aussi, donc on s'échangera le truc de capture. Bref, bon, globalement voilà, j'ai parlé un peu des solutions, il y en a plusieurs, donc je vais juste passer rapidement sur les autres solutions qui existent. On va revenir là. Sur les autres solutions qui existent, et d'ailleurs je vous mets le thread, si jamais vous le voulez. Ta caméra vidéo est bloquée. Ça arrive, Ah oui, putain. Inconvénient d'avoir un hub USB, c'est que des fois ça se débranche en 2 secondes. Ça c'est chiant. Une caméra son, ouais. Et en plus Streamlabs qui me repartage du coup mon Twitter, parce que merci les mots-clés. C'est vrai. Webcam, je l'aime bien, mais il faut que je la change parce qu'elle est moche. Enfin, l'image est très laide dessus. Bien voir, j'hésite à utiliser mon réflexe à terme pour ça. Quel est mon petit réflexe là? J'ai un vieux réflexe que je n'utilise plus, donc qui pourrait totalement me servir à streamer et finir sa vie paisiblement en tant que caméra de stream. Mais bref, non. Sur les autres solutions qui existent, du coup, donc il y a les extensions comme j'ai montré, il y a PubNub que là j'ai montré qui est incrusté directement. Et il y en a une dernière, si vous utilisez OBS, qui est un plugin, qui est celui que tu utilises du coup de Schnorr, qui a été fait par Rat with a Compiler. Globalement, c'est un plugin, un widget OBS qu'on installe sur l'ordi, qu'on connecte du coup à OBS, et qui permet d'activer, désactiver les sous-titres directement via un petit bouton Close Caption, qui les conserve pour les VOD, et je vais peut-être d'ailleurs y repasser, je pense, à terme, parce qu'en gros, ça a l'air d'être corrigé. Vous pouvez, pendant votre stream, demander à ce qu'il enregistre tous les sous-titres automatiques au format texte, et ensuite, du coup, les réutiliser, par exemple, si vous réuploadez la vidéo sur YouTube, pour ensuite tout corriger. Voilà. Moi, j'avais arrêté parce que cette option ne marchait pas, et donc j'étais là, de toute façon, ça marche pas, donc j'ai pas de sous-titres sur mes replays. Et comme je l'ai expliqué, malheureusement, comme j'ai des streams qui font minimum 1 heure à 2 heures, même si j'en fais qu'un ou deux par semaine, avec ce que je fais à côté, j'ai absolument pas assez de temps pour pouvoir sous-titrer complètement un stream, donc je dois m'en tenir aux sous-titres automatiques, ce qui est relou.
D'où l'intérêt de vouloir une interprète et dans l'idéal d'avoir à terme une interprète pour tous les invités, qu'ils soient, qu'il et elle soient sourds et sourdes ou pas. Voilà. D'ailleurs, le prochain invité, normalement, ne devrait pas être sourd, c'est juste qu'il n'a pas la possibilité d'utiliser Google Meet, donc on devrait passer par Discord, et j'aimerais bien du coup qu'on ait une interprète pour compenser l'absence de sous-titres. Bref. Long story short. D'ailleurs, fun fact, j'ai fait une petite contrib en... Alors ça c'est très bien. Ah ben, c'est pour ça qu'il faut qu'on en discute. J'ai fait une petite contribution en proposant une feature qui manquait, ajouter la ponctuation. Ouais, alors, mais alors... Ah ben, du coup, faudra qu'on en discute, parce que sinon ça va prendre 3 heures. Mais ça, c'est vraiment effectivement le truc qui manque sur beaucoup d'outils de sous-titrage. Et je suppose que c'est normal, mais en fait, je connais pas assez, donc on en parlera. Et oui, c'est un plugin libre, hein, tout à fait, oui, c'est de l'open source, du coup, c'est ça, ça veut, si c'est libre, on dit que c'est open source. C'est moi qui fais qui sais pas de quoi je parle. C'est ça. Merci. Effectivement, souvent, il manque la ponctuation. Après, effectivement, les outils de sous-titrage de manière générale, donc de vélotypie automatisée, sont très loin d'être parfaits. C'est juste que les solutions qui existeraient de base pour avoir des sous-titres nickel au poil de cul, comme on a par exemple comme on a eu pendant les allocutions présidentielles et tout, ça coûte une blinde. Et c'est absolument pas pensé pour des streamers. En fait, moi je leur dis, hein, mais voilà, j'avais regardé, j'avais fait des demandes de devis, plus par curiosité en vrai, et bah ouais, on te dit, bah ouais, mais là c'est 100 balles de l'heure. Alors super, enfin je veux dire, c'est pas non plus si cher que ça. Sauf qu'en fait, bah voilà, je fais un stream de 1 heure, même si j'en fais un par semaine, c'est 400 balles par mois. J'ai pas 400 euros par mois, malheureusement. Pour être plus précis, un logiciel libre est open source, mais l'inverse n'est pas vrai, il y a quelques subtilités. Ouais, on en parlera. Ouais, je pense que 2-3 questions, mais du coup, sur la ponctuation, ça m'intéresse, parce que c'est vrai que je ne sais pas comment ça marche pour détecter tout ça. Donc voilà, en tout cas, les gens, sachez-le. Il n'y a pas forcément de ponctuation sur les sous-titres. Ce n'est pas un drame non plus. C'est suffisant déjà pour arriver à mieux suivre le stream. Et bah, évidemment, on comprend que là, clairement, on est sur du pâle budget. Parce que bah, qui a 400... 500... Et là, je parle vraiment de 4 heures de live par mois. Hein, d'accord ? Je parle vraiment d'un rythme très léger. Mais qui a plusieurs centaines d'euros à débourser tous les mois pour un truc qui n'est absolument pas rentable. Malheureusement, pas énormément de gens. Et les petits streamers, clairement, on peut certainement pas se permettre de faire ça. Voilà. Bref, en vrai, je pourrais en parler longtemps, mais voilà. Je vais remettre la musique. Dans l'idéal, en tout cas, faites-le quand même. Il y a plein d'options qui sont pas moches pour votre overlay. Ça s'active en quelques secondes, et ça vous demande juste d'utiliser Google Chrome, qui de toute façon, Chrome ou Chromium, ça c'est gratuit. Si vous avez un ordi qui peut streamer, vous avez un ordi qui peut rajouter des sous-titres automatiques. C'est possible. Après, j'ai connu des gens aussi qui se compliquaient la vie, je me rappelle, alors je ne citerai pas de nom, parce que voilà, mais d'une personne à qui j'avais parlé du WebSocket OBS, la fin du plugin dont on parle, je lui avais parlé des extensions et de PubNub, donc des 3 options, vraiment, t'as 3 options que tu peux mettre en place. Vraiment, PubNub, c'est la plus simple, c'est une source navigateur, je trouve que c'est la plus simple. Et cette personne connaissait Google Meet, et donc même quand elle était seule, lançait un appel Google Meet seul et capturait la fenêtre. Sauf que son ordi, bah forcément, il surchauffe parce que ça lui demande trop. Enfin, l'ordi était pas ouf, mais en gros, ça demandait trop à l'ordi pour ce que c'était. Et c'est vrai que moi, Google Meet, je ne l'utilise que si je suis avec quelqu'un en direct, à distance. Voilà. Quand on est dans la même pièce, malheureusement, j'ai pas encore trouvé de vraie solution. Il y a des trucs qui peuvent se faire avec Ava, mais c'est compliqué. Faut que chacun ait Ava sur son portable, qu'on restream ce qui se passe sur le portable, sur le PC, qu'on sépare les deux pistes de sous-titres et qu'on espère que ce soit fluide, et ça l'est pas. Donc Ava, pour l'instant, je le recommande pas parce que c'est pas pensé pour ça. C'est pensé pour plein d'autres trucs cool, mais c'est pas pensé pour ça. Ava, c'est bien pour de la conversation, par contre. Voilà, tu dois parler avec une personne. Avec une personne et t'as besoin de sous-titrer ta conversation dans la vie réelle, t'installes Ava, tu te mets à parler, et elle a l'application en face, vous discutez, et elle voit ce que tu dis qui apparaît petit à petit. Voilà. Mais en stream, non. C'est techniquement, sur le principe, c'est possible. En pratique, non, en fait. Non. Et il y a tellement de moments où ça peut ne pas aller que... En fait, c'est juste croiser les doigts pour que tout aille bien pendant plusieurs heures. C'est impensable. C'est pour ça que d'ailleurs, avec Mélanie, quand on a fait le stream, du coup, on a privilégié aussi le fait de passer par la langue des signes, parce que au moins les gens comprennent un peu mieux. Bref, comme j'ai dit, je peux en parler pendant très longtemps, mais on va passer sur un autre truc. Alors, on va rester sur les sous-titres. On va aller là. Alors, un site qui s'appelle Consomac. Donc, c'est un article que j'ai vu qui a été partagé par Emmanuel Aboaf. Voilà.
Et c'est une fonctionnalité dont j'ai entendu parler, donc on va lire un petit peu ce que c'est, ce que ça présente et tout, voilà. Pour le coup, l'argument déjà foireux de l'overlay cassé, il a une belle réponse. C'est ça dans l'extension, ouais. Bah, Radwood Compiler et l'extension que j'utilise, les deux, c'est pareil, c'est ça. Non, mais c'est de la flemme. C'est, moi, je sais qu'après, c'est un point sur lequel je milite plus que d'autres, mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve beaucoup. Voilà. Et qui fait que des fois, juste quand tu sais que quand les personnes me connaissent et savent que ça fait trois plombes que je dis sous-titre ton stream, sous-titre ton stream, sous-titre ton stream, on fait comme ça, regarde, c'est pas compliqué, je le fais avec toi. Et qu'on me dit, ouais, mais non, je sais pas faire, bon, là je considère qu'il y a de la mauvaise foi aussi, et voilà. Mais je sais quoi, ça me gonfle. Mais après, sous-titrer vos contenus en général, on pourra en reparler, je pense, une autre fois. Et je pense que je ferai à nouveau une vidéo là-dessus, sur les différents outils de sous-titrage simples qui existent, mais voilà. Avec un peu de boulot, bah c'est ça. Et puis surtout, je me dis, si t'as la compétence d'avoir compris comment on stream, et comment on modifie ton overlay et tout, ça demande quand même quelques compétences techniques, je pense que t'es à même d'intégrer les sous-titres avec toutes les solutions dont on a parlé, à nouveau. Hein. Si t'es pas à l'aise avec la technique, PubNub, solution la plus simple du monde. Pour moi, c'est vraiment la plus simple. Tu vas sur le site, copier une source navigateur, paf paf, voilà. Si tu sais mettre ton dernier sub, là comme j'ai, ton dernier follow, ton dernier cheer, machin, tu sais lancer un stream, tu sais intégrer un bot et tout, bon, à un moment, tu sais, t'as su faire les recherches pour ça, tu sais faire les recherches pour tout, quoi. Tu vois, c'est... voilà. Franchement, honnêtement, j'ai qu'une seule pote pour qui c'était compliqué, et je sais qu'on en avait parlé et tout, mais à sa décharge aussi, elle n'a pas accès à toutes les infos de la même manière, il y a beaucoup de trucs qui sont compliqués pour elle, bah juste, la personne m'a dit, bah viens, passe à la maison, tu me mets ça en place et on n'en parle plus. Et bah, je suis passé à la maison, j'ai mis ça en place et on n'en parle plus. Mais au moins, la personne a dit, bah désolé, juste toute seule, je vais pas y arriver, par contre, ok, viens, bah viens, voilà. Bah, bref, ouais, il voilà, y a pas de vraie excuse, tu vois. Pas de vraie excuse, surtout quand on sait et quand on est mis au courant. Moi, c'est surtout ça. Il y a beaucoup de gens, avec le thread dont je parlais de Clec, beaucoup de gens étaient là, genre, ah ben en fait, je sais pas que ça existait. Est-ce que je peux comprendre ? C'est-à-dire, tu sais pas que ça existe, est-ce que tu vas par défaut penser à te renseigner là-dessus ? Peut-être pas. Mais du coup, pas mal de gens, au final, l'ont mis. En plus, le thread dont on partait à l'origine, hein, vraiment, il a été relayé par pas mal de gens. T'as Clara Doxal qui a retweeté, t'as Benzaï qui a retweeté. Et pas mal de gens, du coup, ont dit, ah mais attends, c'est super, on peut faire ça, on peut sous-titrer, machin, et tout. Et donc, ça passe plus facilement après quand tu dis aux gens, hey, t'as vu, mon thread il a un peu marché. Et les gens ils disent, ah ouais, j'ai vu, non, non, mais je vais m'y mettre. Enfin, tu vois. Effectivement, ouais, j'ai pas eu de nouvelles d'ailleurs sur les sous-titres automatisés, du coup, fournis par Twitch. C'était le cas, c'était en bêta test à un moment sur des chaînes américaines, mais j'ai pas eu plus d'infos. J'ai pas eu plus d'infos, donc voilà. Voilà, voilà. Mais d'ailleurs, bah du coup, en parlant de sous-titres, sans transition mais avec transition, Apple annonce de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité. Alors, je ne suis pas du tout un Apple guy, hein, j'ai un MacBook Air, mais vraiment, je suis plus... L'image du stream est gelée, je crois. Toute l'image. Ah ouais, bah alors chez moi, non. Non, chez moi, non, ça va. T'as actualisé. Je regarde, hein, mais ici ça marche. Il y a un sacré décalage, mais ça marche. J'ai rien dit, c'était mon lecteur. Très bien. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais tu fais bien de le dire, mais oui, j'ai mon petit replay là à côté au cas où. Donc ouais, moi je suis pas du tout un Apple guy, machin et tout. Voilà, moi j'ai un Huawei sous Android, j'ai un PC Windows. Voilà, bon. Mais on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire que les gens qui ont des iPhones méritent la guillotine, par exemple. Voilà, bon, s'ils sont dans ce chat, dénoncez-vous. Non, voilà. Mais en vrai, bah, ils font un truc cool, et peut-être que ça existe déjà. Ils utilisent Windows, bouh. Oui, mais j'utilise, tu sais, le Windows libre, le Windows open source. J'utilise mon propre OS que j'ai appelé Windows, c'est fou. Non, c'est quand même cool de souligner que des fonctionnalités d'accessibilité arrivent dans un système d'exploitation intégré à React OS. Ouais, c'est moi. Parce que je suis un vieux React. Non, c'est assez cool. Du coup, bah en fait, il y a déjà plein d'options qui existent via des applis tierces ou voilà, qui s'activent si on bidouille un peu. Là, en vrai, c'est juste Apple qui dit hey, « en fait, on va faire des mises à jour et puis on va vous proposer ça. » Et vous allez voir, il y a quand même des trucs que bah, je trouve intéressants. Voilà. Qui sort quand la V0.5
Mais... D'abord, attends, sinon en plus j'ai un problème, j'ai eu un bug la dernière fois, j'ai rien changé à mon code, j'ai recompilé, j'ai eu le même bug, je sais pas d'où ça vient, je comprends pas pourquoi le bug il reste, normalement ça part, non, quand on recompile. J'y connais absolument rien en code, mais je sais qu'il y a 2-3 vannes où j'arrive à peu près, tu vois, ça passe, je fais genre, j'y connais rien. Bon bref, on va se lire l'article qui date du coup du 17 mai 2022 et qui est sorti à 15h59, qui est fait par Sylvain, qu'on remercie du coup. Donc comme l'année dernière, Apple a profité de la journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité pour annoncer de nouvelles fonctionnalités destinées aux utilisateurs en situation de handicap. Ces nouveautés seront disponibles plus tard dans l'année avec de futures mises à jour d'iOS, iPadOS, alors je sais. Pour moi, c'est iOS sur iPad, mais je... Bon, ok. macOS, watchOS. Donc, macOS, c'est le système d'exploitation, donc Operating System pour OS, donc du Mac. iOS, donc iPhone Operating System, donc le système d'exploitation des iPhones. WatchOS, le système d'exploitation des Apple Watch. Et tvOS, et donc je suppose que c'est pour l'Apple TV. J'ai un ami qui veut me parler. Tu ferais une newsletter avec ces infos? Oui, que je ferai quand j'aurai le temps, mais oui. Cette semaine ou la semaine pro. Yes. Bonne soirée à toi en tout cas, merci beaucoup d'être passé, ça fait très plaisir, et puis bonne amie, voilà. Donc voilà, vous voyez Liberty, machin, alors je vais descendre. Donc la première fonctionnalité annoncée par Apple concerne la détection de portes pour les personnes aveugles en déficience visuelle. Sur les modèles d'iPhone et d'iPad équipés d'un scanner LiDAR, j'avoue que je ne connais pas LiDAR, iOS et iPadOS, on détectait la présence de portes ainsi que leur distance et décrire à l'utilisateur leurs caractéristiques, si elles sont ouvertes ou fermées, s'il faut pousser ou tirer, et s'il faut tourner ou appuyer sur une poignée. Si des indications sont écrites sur les portes, elles pourront également être lues, nom d'un commerce, numéro d'une chambre d'hôtel, etc. Donc là, c'est ce qu'on voit en fait ici. On a une porte fermée, il y a écrit donc porte fermée à 7 pieds, donc je sais plus combien ça fait en mètres. Il y a un texte, Muffin to write home about bakery. Voilà, donc ça essaye de lire en fait ce qui est écrit, ça donne la distance. Les appareils Apple pouvaient déjà essayer de mesurer, par exemple, on avait des mètres qui étaient pré-intégrés, voilà, où vous donniez un point de début, un point de fin, ils vous donnaient des dimensions, ils pouvaient calculer des volumes et tout, donc je suppose que c'est le même genre de technologie. Voilà, vous avez votre téléphone devant vous et ça vous dit à peu près ce qu'il y a devant. Et donc c'est vrai que pour les portes, ça peut être pas mal. La seconde fonctionnalité présentée concerne l'Apple Watch, la possibilité de faire apparaître son écran en miroir sur l'iPhone par le biais d'AirPlay. La montre connectée peut être pilotée directement depuis l'iPhone, ce qui permet de profiter des fonctionnalités spécifiques de l'Apple Watch, notamment ses capteurs de santé, sans avoir à utiliser son écran. Apple annonce également l'ajout de nouveaux gestes sur l'Apple Watch. Les actions rapides permettent d'utiliser un double pincement de la main, toucher son pouce avec son index deux fois pour répondre à un appel, lire ou mettre un média, ou un entraînement en pause, et rejeter une notification. Parce que oui, en fait, sur les Apple Watch, il y a vraiment des gestes rapides, et c'est pas des glissements et tout, c'est des mouvements qu'on fait avec nos doigts et nos mains, qui permettent du coup d'activer certaines choses, et je crois qu'on peut d'ailleurs créer vraiment des raccourcis, genre dire, bah tel mouvement, genre si je fais paf paf avec ma main, ça déclenche ça, ou ça déclenche ça, et donc c'est pas mal utile justement bah, pour des personnes qui peuvent avoir des troubles de la motricité, pour qui certains gestes sont plus simples à faire que d'autres, plutôt que d'utiliser l'écran, de faire des gestes de main, ou alors effectivement d'utiliser un écran d'iPhone qui est plus grand qu'un écran d'Apple Watch, et sur lequel on a un peu plus de lisibilité et visibilité. Voilà, c'est de l'AirPlay, hein. Globalement ça envoie voilà, l'écran, un écran à un autre. La troisième fonctionnalité dévoilée par Apple se destine aux utilisateurs sourds et ou malentendants. Les sous-titres en temps réel sur l'iPhone, l'iPad et le Mac permettent de suivre un appel FaceTime, une visioconférence, une vidéo quelconque, ou même une conversation avec quelqu'un proche de soi. Les utilisateurs disposent d'options pour ajuster la taille de la police d'écriture. Sur le Mac, il est possible de taper du texte qui sera automatiquement lu en direct aux autres participants de la conversation. Voilà, donc globalement, c'est un peu ce que fait déjà Ava. De manière, il y a un forfait gratuit et un forfait payant. Ava, du coup, donc c'est une application, hein, c'est aussi un logiciel sur ordi, dans lequel du coup on parle et ça essaie de mettre en sous-titre du coup ce qu'on dit. Ça permet, ça fonctionne donc pendant des appels en visio, ça fonctionne si on a donc chacun un téléphone et qu'on parle dans la rue, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou qu'on parle à une personne à distance. Moi je parle, ça affiche mon texte, la personne parle, ça affiche son texte dans une autre couleur, et on peut échanger en face à face comme ça si les deux personnes peuvent utiliser ça. Et effectivement, donc Ava a cette fonctionnalité-là de mémoire aussi, qui est que je peux avoir mon texte et en fait toucher le texte,
pour qu'il soit lu à haute voix par une voix synthétique. La plupart des voix maintenant synthétiques sont quand même assez bien fichues pour que ce soit plus trop bizarre, que ça passe plus trop au robot. Voilà. Apple annonce également de multiples autres nouveautés qui sont moins détaillées. Il y a l'ajout de 20 nouvelles langues pour VoiceOver, dont le bengali, le bulgare, le catalan, l'ukrainien et le vietnamien. À quand l'art des choix. La fonctionnalité Buddy Controller pour permettre de demander de l'aide à un ami pour jouer à un jeu avec la prise en charge de plusieurs contrôleurs pour un seul joueur. Avec Siri Posttime, il est possible de mettre en place un délai avant la réponse de Siri. Il devient aussi possible de dicter un mot lettre par lettre à Siri. Et Apple propose également une fonctionnalité permettant de reconnaître certains sons uniques de son propre environnement, une alarme spécifique, sa sonnette d'entrée, ses appareils électroménagers, etc. Ce qui est quand même assez utile parce que je pense justement à la sonnette. Quand on est sourd et du coup qu'on n'entend pas, on peut acheter, y a des sonnettes lumineuses, on appuie, paf, 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 voilà, ça flash. Ça coûte quand même une blinde et ça se met pas... ça coûte une blinde. Ça se met en place facilement en vrai dans pas mal de cas, mais ça coûte une blinde. Si j'entends rien, mais qu'en fait mon téléphone, paf, il s'allume et que ça me dit « Ah, sonnette de la porte d'entrée », je sais que quelqu'un a sonné. Ah. Si mon lave-linge, il fait « bip, bip, bip » de manière spécifique quand il a fini, ça me dit, tu vois, ça s'allume, ou mon Apple Watch vibre et me dit « Ah, je crois que le lave-linge est terminé. » Et j'ai plus besoin d'aller jusqu'au lave-linge, de toucher pour vérifier qu'il vibre, etc., etc. Donc ça peut être pas mal. Il y a enfin, voilà, donc de nouveaux thèmes et de nouvelles options d'affichage pour Apple Book. Donc en vrai, c'est plutôt intéressant, hein, le côté à avoir les sous-titres en direct et tout, ça permet justement d'éviter, parce qu'en fait, Ava, par exemple, mais ce que je comprends aussi, Ava a une version gratuite de l'application avec de mémoire 2 ou 3 heures de transcription par mois, ce qui est déjà pas mal, mais bon, c'est vite limité, hein, si on papote, voilà. Alors que, là, du coup, en gros, certes, les appareils coûtent cher, mais du coup, c'est intégré dedans. On l'active et basta. Et notamment en réunion, on a le droit aux sous-titres et on peut taper du texte et dire paf, tu me lis ça à voix haute, et comme ça les gens n'ont pas besoin non plus de checker en permanence l'ordi, ce qu'ils vont parfois même souvent ignorer pour voir si t'as écrit dans le chat. Il va y avoir une voix qui leur dit il se passe ça. Et voilà. Donc c'est plutôt cool. Moi je trouve ça plutôt bien. Je ne sais pas s'il y a un équivalent sur Android pour l'instant. Sur mon téléphone, il n'y est pas. Donc peut-être qu'il y sera à l'avenir. Moi j'ai Android je fais beaucoup de quelle version d'Android j'ai la 10 moi je crois, non, oui c'est ça, 10.0.0, voilà. Donc j'ai pas la 11, j'ai pas la dernière que j'aurai certainement peut-être sur mon prochain téléphone vu que je cherche à changer. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle au final, tout ceci. Voilà, je vais mettre l'article en lien ici. Voilà. Je vais mettre la musique là. Non mais voilà, des infos plutôt intéressantes pour le coup. À voir, j'ai des amis qui ont justement Mac, iPhone et tout, j'ai mon MacBook Air. Si mon MacBook Air le supporte, par curiosité, je le mettrai à jour pour tester. Mais je suis pas sûr, je crois qu'il est trop vieux, il a presque 10 ans maintenant. Mais j'essaierai de voir, voilà, avec les collègues qu'on ait des iPhones et tout, si je peux tester tout ça. Parce que, par curiosité, puis c'est intéressant et c'est bien de voir comment ça marche pour pouvoir en parler à nouveau. Voilà. Il me semble qu'il restait. Alors, il me reste un article, mais je l'ai feuilleté, je veux quand même juste vérifier avant de le partager. C'est un article qui est tout en anglais, donc il n'est pas inintéressant, juste il est très très long. Et je pense qu'on va se le garder du coup pour un autre live qu'on pourra peut-être se faire d'ailleurs la semaine prochaine. Ouais, on va faire ça. Parce que c'est trop trop long. C'est un article en anglais, donc il faut que je traduise tout. Donc voilà. C'est pas que j'ai pas envie, hein, mais je vois l'heure, je vois qu'il est 18h28. En 30 minutes, je pense que j'aurai pas le temps de le couvrir correctement. Donc ça sert à rien d'insister. Je l'ai de côté. Je vais le garder de côté. Et puis on parlera à l'occasion. Peut-être que je referai du coup un petit stream la semaine prochaine pour faire la newsletter complète. Ouais.
Voilà. Voilà. Ceci est Andy. Ceci est Andy. Attendez, je vérifie un truc. Ok. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire. Donc oui, donc tout ce que j'ai dit là, donc je ferai un deuxième live à propos des news donc la semaine prochaine pour parler du coup de l'article parce que c'est un article assez intéressant sur le langage des personnes sourdes aveugles. Pardon, la langue des personnes sourdes aveugles du coup qui a évolué et certaines du coup qui commencent à avoir leur propre langue vraiment et qui est plus juste une version dérivée on va dire de la langue des signes en tactile. Et du coup on en parlera, voilà. Je pense la semaine prochaine, j'organiserai ça. Comme ça, ça fera un petit live d'une heure, une heure et demie. Pour mieux en parler. Et pas rusher le tout. Et voilà. Je vais enlever la musique parce que j'arrive pas à réfléchir. Et voilà. Non mais ça touche, c'est plus que tout. Complètement, là t'as su perdu. J'avais une idée dans la tête, je l'ai perdu. Je sais pas. Voilà. Bon, ceci étant, bah du coup, alors pour la chaîne, là c'est compliqué, je peux dire un petit peu, mais il y aura malheureusement pas d'autre stream cette semaine-là. Puisque comme je le disais, voilà, j'ai de la famille qui vient, et donc bah je vais rentrer super tard chez moi, et donc non, clairement, je ne vais pas streamer parce que je vais passer mes journées à courir dans Paname. Donc pas vraiment de stream jusqu'à la fin du mois. Voilà. Peut-être un lundi, j'allais dire encore lundi soir, mais non. Mardi 31, c'est possible, voilà. Sinon, ça reprendra, voilà, début juin. Début juin, j'ai 3 jours off. C'est plutôt cool. Parce que là, clairement, je vais bosser 2 jours et demi. Voilà. Donc là, je fais 2 jours. 2 jours de repos. Une demi-journée. 2 jours de repos. 2 jours de boulot. 3 jours de repos. 1 jour de boulot. 2 jours de formation. 1 jour de boulot. 2 jours off. Enfin, vraiment, là, je suis sur des semaines plutôt cool. Jusqu'à mi-juin, je suis plutôt tranquille. Donc je me plains pas trop. Je vais quasiment pas être au boulot en fait. Voilà. Je vais être là et je suis même pas en vacances. C'est même pas des vacances que j'ai posées. Voilà. Puis après, bon, il y a 2-3 semaines. Et ensuite, je pars à clin d'œil. Mais voilà, bah, la chaîne, globalement, j'ai essayé de réfléchir. Je pense que je vais rester sur du contenu qui moi me plaît en fait, que j'aime bien faire. Donc il y aura des invités de temps en temps. Là, il y a un invité donc, qui est prévu. Il y aura une grosse annonce, mais bah, pour l'instant, j'ai toujours le droit de rien dire, donc je devrais avoir des infos là dans la semaine, et je devrais pouvoir en parler officiellement mi-juin. J'ai hâte de pouvoir en parler, j'ai hâte que ça se fasse, et j'espère vraiment que je vais pas avoir de soucis, et que je vais pas devoir annuler tout ça, parce que c'est un gros truc, très cool. Ouais, du coup, en fait, bah, je vais juste de temps en temps, bah, peut-être que je vais rejouer à des jeux, voilà. Donc, je vais me racheter une carte de capture dès que j'aurai mon virement Twitch. Petite carte de capture à 50 balles qui a l'air de fonctionner comme il faut. Je vais aussi, du coup, ouais, des fois jouer à des petits jeux cool. J'ai trouvé des petits jeux indés, des petits jeux sympas qui durent 10-20 minutes et qui valent le coup, je pense, d'être joués et d'être montrés. Et puis, bah, la broderie quand j'aurai le time. Du coup, je voulais en faire cette semaine, mais pas possible. Voilà, un peu de broderie, on va revenir sur de la cuisine, parce que là j'ai retrouvé une nouvelle recette que j'ai partagée sur mon Insta, que je kiffe, que je me suis refaite encore à midi, et que vraiment je recommande, donc voilà, je pense que je vais repartir un peu sur, voilà, sur tout ça, ce sera du vrac, ce sera du stream, de temps en temps, vraiment plus du tout de pression, voilà, j'essaie juste de streamer une fois par semaine, et c'est déjà bien, voilà, et quand j'ai plus de temps, je stream plus, quand j'ai moins de temps, je stream moins. Quand j'ai du temps, je joue à Elden Ring où j'écris mon mémoire, et puis voilà. Non mais voilà, on sera plus sur ce genre de Dells sur la chaîne Twitch, voilà, avec juste, voilà, de temps en temps, des petits invités, des petits projets rigolos et sympas, histoire de... bah juste histoire, en fait, que moi aussi je le vive bien et que je me sente pas forcé à faire des streams, parce que c'est sûr. Ça fait plusieurs semaines que je suis comme ça et que du coup je ne me sens plus forcé à quoi que ce soit. Et donc que je commence à reprendre plaisir à streamer. Et c'est bien.
bien, en fait. Voilà, c'est un truc. Et voilà. Quand on se lance sur Twitch, je pense qu'on se lance tous indirectement avec quand même le même truc, c'est d'avoir des gens qui nous regardent, d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui nous parlent, d'avoir des, voilà, des gens, d'avoir des gens qui nous suivent, en fait, de sentir qu'on a une importance pour certaines personnes ou pas et tout. Et ce qui est tout à fait valide, hein, c'est une forme de reconnaissance sociale qui n'est pas désagréable. On va pas se mentir, voilà, que des gens vous disent ce que tu fais, j'aime bien. Quoi que ce soit, hein, que ce soit de jouer à un jeu, que ce soit de faire des loisirs créatifs, enfin, ou même du travail créatif, parce que je dis loisirs créatifs, mais en tout cas de la création, voilà. Créer du contenu et que les gens aiment ce contenu. Même sans parler d'argent, c'est ce qu'on cherche. Et évidemment, c'est sûr que bah, on sait que l'affiliation, elle n'est pas très compliquée à avoir. Hein. On le rappelle, hein, l'affiliation, c'est 50 followers, donc c'est pas énorme sur Twitch. Ça s'obtient très vite, hein. Si vous grindez et que vous streamez tous les jours, vous l'avez très très vite, les 50 followers, en quelques mois même pas. 3 viewers minimum, et ça pareil, on peut gruger avec, il suffit qu'on ait un ordinateur en plus qui traîne à côté, un téléphone portable ou quoi, on se génère nous-mêmes les 3 viewers si personne vient. Et je crois que c'est 7 jours de stream différents sur 30 jours consécutifs. Donc de telle date à telle date, sur 30 jours, il faut que tu aies streamé 7 jours différents. Une fois que c'est bon, t'as ton petit contrat que tu signes pour 2 ans, tu deviens affilié et tout. Mais je pense qu'il faut garder en tête que, bah, en fait, il y a beaucoup de déceptions dans tout ça. Bah, en fait, ouais, en vivre, c'est une assez grosse utopie. Générer un petit revenu et éventuellement bosser à côté en freelance ou, je sais pas, arriver à faire une marque de son contenu, donc vendre des t-shirts, des machins, ce que font la plupart des streamers, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des revenus de partout, hein, ils ont leur replay YouTube qui leur ramène un peu de revenus passifs, ils ont leur marque de fringues qui leur permettent du coup d'avoir des sous même quand ils font une pause, ils vont avoir des sponsors qui permettent d'avoir une grosse rentrée d'argent du coup dans ta boîte, voilà, mais alors avant d'atteindre le stade du sponsor, des trucs que tu vends, et même du revenu passif sur YouTube, sacré marge, et on réalise pas en fait l'investissement horaire que c'est, parce que bah, par exemple 20 heures de stream par mois, c'est pas que 20 heures de stream, c'est aussi bah, 20 minutes avant de prépa en général, sauf quand tout est vraiment ok, mais voilà, t'as un peu de prépa avant, des fois t'as de la prépa même encore plus tôt, comme moi quand j'ai des invités, bah, ça me prend du temps de leur envoyer, faut que je leur envoie un message, que je réponde, que je trouve nos disponibilités, enfin qu'on trouve nos dispos et tout machin, donc c'est du temps. C'est du temps complètement libre, hein, voilà, du temps où je ne suis pas en stream, hein, donc clairement il n'y a absolument rien, il n'y a pas de gens qui me regardent, il n'y a pas de gens avec qui je discute et tout. Il y a aussi bah, toute la partie, bah, si vous voulez faire par exemple des TikTok, des replays, des trucs comme ça, et bah pareil, ça prend du temps, voilà. Qu'on est même sans parler des sous-titrés, de machin, c'est juste, ça prend du temps. Ça prend du temps de le faire, ça prend du temps de l'animer. Et chaque réseau est différent. Donc TikTok, en théorie, il faut en poster 24 par jour, et ça, clairement, moi, je peux pas. Monter un replay d'un stream, ça prend longtemps aussi. Hein. Un stream d'une heure, une heure et demie, vous faites un best-of, bah, ça vous prend 2-3 heures de montage, hein, si vous le faites vite et sans trop vous faire chier. Et bah, c'est certes, c'est sûr que c'est des conseils qu'on voit passer. Voilà, faites une chaîne YouTube quand vous avez Twitch, comme ça, le jour où vous aurez un petit peu de revenus, et bah, si vous prenez des vacances, votre chaîne YouTube, elle vous ramène des sous. Mais c'est un investissement de temps par rapport à l'argent qui est généré, qui est tellement énorme que, en fait, faut pas avoir de vie sociale à côté. Et même moi qui ai une vie sociale assez faible, j'ai quand même du mal et j'ai pas envie, en fait, de passer tout mon temps à faire ça. De toute façon, j'aimerais pas devenir streamer à temps plein, mais en tout cas, c'est quand même un truc que j'ai eu un moment en tête et où je m'en voulais, voilà, de me dire, ah putain, j'ai pas streamé parce que je suis parti en soirée avec des potes ou machin, et ah putain, mais lui, il arrive à dire, bah désolé, je vais à la soirée, mais à 22h, je rentre chez moi parce que j'ai un stream à faire. Je peux comprendre, hein, que pour certaines personnes, ce soit un truc qui leur donne envie, qui leur fasse envie, et il n'y a pas de souci. Du moment que ces personnes en tout cas connaissent la réalité du terrain aussi, parce que voilà, comme on le disait, Twitch, vraiment Twitch pour juste vivre de Twitch, en supposant qu'on vive que de Twitch, hein. Donc on parle des subs, des cheers, des machins, on parlait de, voilà, de sponsors, du coup ça coûte, enfin ça coûte, ça demande beaucoup d'énergie et tout, et en général c'est plus un revenu passif à côté, quoi. Voilà, paye quelques impôts. Mais voilà, c'est le revenu qui te permet de faire des économies, c'est le truc qui te permet de t'acheter la tablette graphique que tu voulais parce que bah là t'as plus de sous, etc.
Moi, clairement, hein, Twitch, ça m'a permis de m'acheter une caméra, ça m'a enfin une webcam, un micro, un bureau. À nouveau, le bureau sur lequel je suis, voilà, qui coûtait presque 60-70 balles. Donc c'est pas si cher, mais c'est 70 balles que j'ai pu me payer grâce à Twitch, grâce aux gens qui m'ont soutenu. Et je sais que cette réalité-là que moi j'ai, qui est déjà clairement pas... qui fait pas rêver, parce que je le fais à côté de mon boulot et de ma vie sociale, c'est une réalité que tout le monde n'atteint pas. Et gardez ça en tête, en fait, si vous vous lancez sur Twitch. Ne vous lancez pas sur Twitch pour gagner de l'argent, même pour vous, en vous disant « je me ferai 100 dollars de côté et c'est cool ». Non. Voilà. C'est compliqué à avoir. Moi, j'ai de la chance, j'ai un compte Twitter qui marche à peu près bien, j'ai des gens qui me suivent, voient vaguement qui je suis, j'ai pu être intégré à des communautés aussi qui sont assez actives. Donc, j'ai cet avantage-là d'avoir une pub automatique, on va dire. Mais ce stade-là, je l'ai atteint parce que ça fait 10 ans que je suis sur Internet et que j'essaye de faire des trucs et que des fois ça marche et que souvent ça marche pas. Voilà. On est clairement sur un truc où c'est compliqué d'arriver juste à se faire plaisir en étant sur Twitch. On voit vraiment beaucoup de gens hein, qui grindent et qui tapent des streams de 19h à minuit et tout. Ce que je faisais avant, hein, parce que c'était cool, hein. J'avais des raids, j'avais des follows, j'avais des subs, j'avais des machins. Mais au prix de ma santé, au prix d'arriver complètement explosé au boulot et de ne plus pouvoir rien faire, si ce n'est vaguement faire ce qu'il y avait à faire, de ne penser qu'à Twitch en permanence, de me dire que si je ratais un stream, il fallait que j'en refasse un vite fait le lendemain, que si je ratais le stream du jeu vidéo, il fallait que... Enfin... Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je veux faire de la broderie quand j'ai le temps. Parce que c'est cool. De jouer à des jeux si j'ai envie, et principalement des jeux courts que je peux faire en un stream, parce que sinon j'ai envie d'y jouer en dehors, et c'est ce qui s'est passé avec Bloodborne, je voulais jouer à Bloodborne en dehors, et je l'ai fait un peu parce que je n'en pouvais plus. Et de parler de ce que j'aime, voilà. Et gagner ce que je peux, Internet. Je pense que c'est une toute petite pierre et tout qui n'aura pas un impact de dingue, mais en tout cas elle a eu un impact pour certaines personnes, et moi ça me suffit déjà beaucoup. Ça me suffit de me dire qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens avec qui je parle, il y a des gens qui... Des fois je reçois des DM pour me féliciter de mon taf, des fois je reçois des DM pour pas me féliciter de mon taf et pour échanger ou pas. Content en tout cas d'avoir cette fenêtre-là qui m'est offerte en dehors juste de ma vie perso et tout, et je ne pourrai jamais assez remercier les gens. Et là je suis en train de voir que je crois que mon bot sur Discord vient littéralement d'annoncer... Ah non, c'est bon, je viens de recevoir la notif, mais voilà, je crois qu'il vient d'annoncer le like. Enfin bref, voilà, je pense que ça vaudra le coup d'en reparler un petit peu avec d'autres créateurs et créatrices de Twitch, et de pourquoi on se lance de machin, de ce qu'on fait dessus, des illusions qu'on peut avoir aussi, du fait qu'il n'y a aucune honte à faire des lives de manière ultra schlag avec un PC, une petite lumière qu'on a acheté 20 balles chez le roi Merlin, et une ampoule connectée de chez Action, voilà. Voilà, voilà. Bref, tout ça pour dire. Je sais pas si... Bah écoutez, il y a la bonne Delilah Flower, là, en stream sur Tusmo, donc j'ai l'impression que c'est un truc comme Sutom et Motus machin, je sais pas, j'ai pas compris ça. Okay, qui joue à Tusmo, donc on va aller là-bas, je vous envoie là-bas, moi il me reste un petit peu de temps tranquille pour moi. Je vous fais des bisous, je vous remercie d'être venu, et je vous dis bah du coup à la semaine prochaine normalement pour un prochain stream, normalement sur un jeu indé très très cool. Je vous fais les bisous, à bientôt, ciao ciao.